Ben, nous sommes le lundi 21 septembre 2020. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Un plaisir, mesdames, messieurs, de vous retrouver ce matin encore une fois pour une nouvelle sortie du Pacifique Matin. Bonjour, Moïse. Bonjour, Dagé. Bonjour, Olivier. Bonjour, Jacques. Et bonjour à tous. Et bonne semaine. Bonjour, Olivier. Bonjour, Jacques. Et nous sommes vraiment contents de vous retrouver nous matin avec un bisoui. Après, belle qui a été président de la République. Non, pendant ce matin, disons pendant le week-end, vendredi soir. Pour mettre un peu nouveau conseil étoile provisoire, rien de petit la matière. Oui, comme tu l'as si bien dit, après plusieurs semaines d'annonces, l'exécutif a finalement dévoilé les noms des 9 membres formant le nouveau conseil électoral provisoire. Dans un arrêté publié le vendredi 18 septembre, la majorité des personnalités à noter sont peu connues pour le grand public. Et décès le samedi 19 septembre de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Yves-Romain Bastien, l'ancien responsable du MEF sous la présidence de Jostin Privert, souffrait de plusieurs années de cancer. Les cérémonies solennelles ont été organisées dans les 18 juridictions du pays pour saluer la mémoire du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval, froidement abattu chez lui le 28 août dernier à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Les intervenants ont à l'unanimité réclamé justice en faveur de cette sommité du droit. Il faut dire que le professeur est vice-doyen de la faculté du droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, Charles Dumont, point du jour, ancien collaborateur ou encore collègue du bâtonnier, eh bien, il est décédé dans la soirée du dimanche 20 septembre 2020, des suites d'un AVC, selon les dernières informations. Oui, des hommages ont également eu lieu au barreau de Paris où une gerbe de fleurs a été déposée devant le portrait de Maître Montferrier d'Orval. Et enfin, le collectif des avocats pour la défense des droits humains appelle les responsables du ministère de la Justice à trouver une entente avec les greffiers pour faciliter la tenue des assises criminelles. Et dans le billet de Jacques, nous allons parler. On va parler du conseil électoral ce matin. En tout cas, et quand plus le sécurité avec une entente tout de suite. C'est 7h05 au bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement de cette édition. L'édition qui entre chez vous grâce au support de toute l'équipe rédaction. Mario Sylvain, Inoclès Debréus, réalisation Olivier Bouchereau, micro Jacques Amboise, Moïse Saint-Éloi et Jean Foucheur d'Angers. Nous la maintenons jusqu'à 9h pour nous continuer à informer la population par rapport avec essentielles informations qui gagnent en actualité. Et vous le savez déjà, la grande nouvelle, c'est cette décision du président de la République. Je parlais de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse qui a bien directement pris un décret visant à former le nouveau conseil électoral et provisoire. Eh bien, Jean-Pierre Monde, Jean-Premier ministre, a annoncé lui, président a annoncé lui. Mais président, lui, mettez lui, c'est membre conseil électoral provisoire, là. D'ailleurs, oui, c'était loin. Oui, il s'agit de lui, Alex Noël, représentant du secteur des handicapés, Nadia Jules Amédé, représentant du secteur paysan et coopérative, Guylande Mesadieu, représentant du secteur des droits humains, Antonio Détil, représentant du secteur de la jeunesse, Patrick Numa, représentant du secteur syndical, Esperancia César, représentant de la diaspora, Josette Massillon, représentante des organisations de femmes, Guy Roméus,
représentant des cultes réformés, et Marie-Rosemène Joseph-Pierre, représentante du culte vaudou. Mais il est précisé à travers ce même arrêté que le CEP a pour mission, a deux principales missions. Premièrement, organiser le référendum afin de doter le pays d'une nouvelle constitution, et de organiser les élections législatives, présidentielles, municipales et locales. Bon, et au grand lot d'élections qui vont organiser toujours, mais c'est loi. Et organiser l'élection pour toute poste vacant qui t'a oui, justement. Et selon arrêté ça, que le président Jovenel Moïse il prend réaction ou pas à suspendre tombé après décision président République là, et Jovenel Moïse pour mettre campé et conseil électoral et provisoire, ça a gagné plusieurs et structures politiques de la société qui ont même est capable de lever campé royaux pour dénoncer l'attitude président République là, Jovenel Moïse. Gagné première note que nous gagnons là, qui c'est yon série parti politique qui signale dans notre ça nos partis avec organisation politique qui travaille pour construire démocratie dans le pays à une manière pour frapper les haïtiens, un état qui capable croiser chômage grand gros violence avec malaise et toute qualité, organiser référendum pour bailler pays à une constitution, organiser élection locale, municipale, législative, présidentielle, organiser élection pour toute poste qui Kevin libre dans en attendant il mettait campé au conseil électoral permanent. Ça lui dit d'après président et Jovenel Moïse, conseil électoral a supposé dernier conseil électoral provisoire qui a gagné dans le pays à Rinot Sahara, qui signe pour plusieurs responsables politiques, d'un coup Edgar Leblanc, fils de l'OPL, Edmond Supplice Bozil, du PFSDH, en diffusion des sociodémocrates haïtiens, il y a Sadrak Dudonné, de Mokrena, Marjorie Michel, et SDP, c'est le secteur démocratique. Ouais. Acte populaire, Paul Denis, Inifos, Kenol Mathieu de Veilleyo, il y a Yuri Latortue de AAA, Génard Joseph de Vérité, et puis l'ancien sénateur Sorel Jacinthe de Unité. Tout à l'heure, on va essayer de parler avec Younoyo autour de ce sujet, mais c'est dossier ça qui lui-même a fait en pile et parler en pile dans les médias, dans la radio, dans la télévision. Par rapport avec et décret ça que le président République là, Jovenel Moïse, lui-même, lui mettait dehors un conseil électoral que un pile et secteur déjà a pas dénoncé et secteur loi maintenant et Mounio pas vraiment gagné droit puis dedans gagné et représentant jeunesse là, il dit qu'il seront anciens et employés au niveau du ministère de l'Intérieur, employés ministère de l'Intérieur, collectivité et territorial. Bien tout, et Madame Esperanza César, qui est un peu le monde critiqué, qui représente la diaspora. D'après eux, c'est une dame qui vit 25 ans dans le pays d'Australie et puis qui seulement vient et puis nommé conseiller électoral. Donc d'après eux, c'est pas un monde comme si qui t'a vivre dans le pays. Qui connaît réalité pays à dernier jour, ça particulièrement dans le dernier mandat présidentiel qui passait, ou bien dans la dernière élection qui est organisée dans le pays, c'est une dame qui, d'après Mounio, par qu'on a rien dans sacré les politiques pays, par qu'on a rien dans affaire conseil électoral, l'organisation élection, et puis c'est lui-même nommé et conseiller électoral. Bon, c'est pas Mounio que nous trois connaît, et puis gagné représentante droits femmes, d'après yo, et droits humains. Alors, représentant droits humains, qui est madame Tonal Motimé, qui est responsable défenseur. Défenseur plus. Oui, bon. Faut nous dire le contraire. Oui. Bah, c'est vérité alliée, et puis, et c'est comme ça va aller. En tout cas, et n'a pas essayé de garder pour nous, et qui ça qui a fait, nous pas laisser venir. Mais faut nous dire que nous avons même arrêté ça, et il y a le citoyen Wayne Weber Artus, qui a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Haïti au Canada, et le citoyen Fritz Dorvilliers qui est nommé consul général d'Haïti à Montréal. Et par ailleurs, toujours à travers cet arrêté, la date du 20 septembre a été déclarée jour de Dessalines, alors que la date du 17 octobre est déclarée journée de deuil national. 20 septembre qui c'est date de naissance de Jean-Jacques Dessalines, et 17 octobre que nous connaissons qui c'était date Lamoli, et d'après arrêté présidentiel ça l'est nommé journée de deuil national. Voilà pour cet arrêté du président de la République au journal Le Moniteur à la date du 18 septembre 2020. Nous allons laisser parler avec plusieurs acteurs
acteurs et politiques et ou bientôt plusieurs acteurs dans la société civile là pour nous connaître qui ça y a même mieux pensé de formation et nouveau conseil électoral provisoire ça mais il y a plusieurs acteurs qui déjà réagi déjà soit à travers les réseaux sociaux qui fait qu'on est que c'est une décision qui est inconstitutionnelle et c'est une décision qui est illégitime et qui pas rentrer dans le cadre de formation ou bien principe qui établit une société qui est démocratique. Nous pouvons essayer de plusieurs réactions sous dossier ça. Mais entre-temps, on a rappelé que le samedi 19 septembre, c'était le décès de l'ancien ministre de l'économie et des finances du gouvernement privé Jean-Charles, M. Yves Romain Bastien, l'ancien responsable du ministère de l'économie et des finances, souffrait d'un cancer et a vécu ses derniers jours en France où il se faisait soigner. L'ancien président Justin Prévert, dans un tweet, a salué le départ de patriote dévoué, dit-il, pour qui il avait beaucoup d'estime. Il a ajouté plus loin que la nouvelle de la mort de Yves Romain Bastien l'a profondément attristé. Nous soulignons tout que M. Yves Romain Bastien a été aussi professeur à l'université, particulièrement à la faculté de droit et des sciences économiques, qui les mêmes nous connaissons qui c'était économiste, mais tout nous croyons que l'IT est financier et de formation. Monsieur Yves Romain Bastien qui nous a quitté le samedi 19 septembre, mais il est mort, pas en Haïti, mais plutôt en France, où il avait séjourné depuis plusieurs jours. Une autre nouvelle, mais cette fois-ci une mauvaise nouvelle encore, une nouvelle attaque armée a été perpétuée au Bel Air samedi dernier par des individus armés. Plusieurs maisons ont été incendiées lors de cette énième descente des lieux. Des gangs armés et des citoyens qui ont pris la fuite pour échapper à la terreur des malfrats continuent et d'indexer l'ancien policier Jimmy Cerizier dit Barbecue comme étant le principal auteur de ces attaques à présent. Oui, nous allons parler avec notre. J'ai annoncé déjà, nous allons parler avec plusieurs acteurs qui gagnent des représentants dans le secteur PAYO qui désignés pour le monter conseil électoral. Et provisoire ça, nous avons un lien avec nous, Madame Françoise Saint-Villiers, qui dit même assez présidente de CONASPE, en dedans et secteur protestant. Et Madame Saint-Villiers, bonjour, merci un peu pour disponibilité. Et bienvenue sur antenne radio et télévision Pacifique. Nous saluons tous les auditeurs, auditrices, internautes de radio télé Pacifique. Et nous saluons CONASPE et tout. Et tout le monde et les clients, nous souhaitons une bonne journée. Le choix du représentant du secteur A et d'un conseil électoral provisoire, ça, c'est comment le fait souple? La question, c'est quoi? Choix pour que gagne un représentant secteur panouan d'un conseil électoral provisoire, là, c'est comment le fait souple? Bon, ben, le choix. Je crois que j'ai exécutif en fait. Et en attendant, moi, je crois que qu'on a souhaité faire une conférence de presse depuis bien avant, par contre, si on était au courant, parce que nous te voyons invitation. Invitation à l'administration et radio. Nous te clairement noir sur blanc. Que nous te connaissons que nous t'avons préparé en CEPA, nous te dit que nous-mêmes nous avons aimé. Nous ne pouvons même mettre avec d'autres acteurs dans le secteur protestant. Nous te prenons responsabilité nous-mêmes, malgré nous connaissons des petits problèmes qui sont venus. Mais malgré cela, nous-mêmes nous te prenons responsabilité nous à demain. Et puis nous te faisons une conférence de presse. Nous te voyons une intervention sur un grain de médias, mais nous te voyons sur toute station. Et nous te disons que nous ne pas représenter. Ça représente, c'est clair. Et gagner un membre qui représente culte réformé, mais qu'on n'aspe pas voler. Et qui rapport qui est entre culte réformé et qu'on aspe, c'est qui ça lié, Madame Saint-Villiers? Et culte réformé, c'est des églises qui sortent à partir de réformes de Martin Luther, comme lui-même l'a dit. Ça veut dire que dans l'embrassement, nous avons
plusieurs dénominations qui viennent à venir. Avec ça, nous avons parti pour une côté. Bien avant, nous avons l'église presbytérienne, l'église anglicane, la baptiste, la baptiste pour une côté. Ça veut dire que nous avons tout la triétisme et ce côté les sectes que nous ne pas vraiment prendre en compte, mais qui connaît mon taille. Et pour l'aspect, c'est une entité parce que c'est une organisation qui regroupe les missions, les associations à l'intérieur de lui-même. Et l'organisation qui est un petit peu trop faible, qui approche nous et affilie avec nous. Ça veut dire que pour l'aspect lui-même, nous travaillons avec culte réformé. Ça veut dire que tout ou un monde qui fait partie de lui-même, tout le département, nous travaillons ensemble. Donc, avec ça, nous faisons partie de culte réformé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, et par rapport avec choix ça, qu'on aspect pas la deni, et qui raison qui exprimait désaccord nous avec choix ça? Bon, nous pensons que en réalité, nous besoin d'une élection, et c'est vrai. Et pas tout ça, catégoriquement, chaque président monté ou transition. Nous croyons que nous besoin vraiment d'élection dans le pays. Ça, c'est certain. Le président allait ou l'autre doit monter. Mais mon frère, voyons sur vous. Qui veut mon bras sortir pour la voter là qu'on vient? Et ça, tout, c'est une bagaille qui est menée, ça nous était pas brûlé corruption. Et parce que nous n'avons pas eu fond de clients parce que grand coup, la vie chère a pété ciel. Quand il y a là, on a mis le bout dans mon monde, on sauve que lui. Donc avec ça, nous pensons que ce n'est pas correct. Et sécurité va le terrain. Nous ne pas capables. C'est des coups de plan antique, on a passé dans le pays. Lorsque tu rentres la caille, on dit, oh merci Seigneur, montrer. Comment on va faire une élection comme ça? Moi, nous pensons que l'État a bon pour tout acteur qui concerne nous, je mettre ensemble, et puis vous êtes à Chita, pour nous capables de faire une bonne élection. Mais pour acteur vous mettez ensemble, il faut que le représentant de tout fait avec monde qui est d'accord et qui est accepté pour faire bagarre marché correctement. Mais M. Roméus, c'est son homme politique, il était candidat déjà. Comment? Et M. Guy Roméus, qui s'est représentant culte réformé dans le conseil là, c'est quelqu'un de politique. Il était déjà candidat à la députation, c'est ça? Oui, depuis, il était candidat à la députation. C'est un homme qui a gagné 37 à 30 ans de carrière. Et nous-mêmes, nous connaissons. Vous avez un problème avec nous. Nous ne faisons pas politique active. Parce que nous avons le droit, nous tous, sur le pays, nous avons le droit, nous, sur la tête, tout. Parce que nous devons rester comme tout le monde, nous devons vivre comme tout le monde, les chrétiens. Donc là, soit nous faisons choix, le monde pour se réveiller. Mais nous ne faisons pas politique active, parce que nous ne faisons pas une partie politique. Mais nous acceptons que nous sommes capables de faire de la politique. Monsieur Guy Roméus, pasteur Guy Roméus, c'est un responsable chevalier, avec deux et des missions. Nous ne pouvons pas dire tout que l'évêque, au conseil de 18 évêques, 5 évêques, ça y est, pour créditer des d'église. Qui sait, c'est une des critères pour y avoir une évêque. Donc, dans ce sens-là, lui, il est son chef de mission de lui, et puis il est pour responsabilité. Il joue un million de dollars où ils ont levé. Vous comprenez? Puis... Il est vacciné. Donc, il prend des décisions lui-même. En tout cas, et Côte Pelouse. Et merci un peu, Mme Saint-Villier, et Kimé, la bonne journée. Merci, bon Dieu, bien entendu, Marcel. Et après, continuer et suivre et question ça avec et différents et commentaires. Nous parler tout à l'heure comme ça avec représentants de ces structures politiques qui ont même signé notre ça. On a parlé de OPL, de Fusion, AAA. Et il y a un pilote encore et qui ont même ici et notre ça, téléphone intelligent, la bonne problème. Secteur démocratique. Secteur démocratique. Et secteur et Dieu Dounia et n'a pas les deux. Et Mokrena, secteur protestant encore. Et qui l'a d'Ali. En tout cas, il y a quatre pelouses. Comment ça, Jacques? En forme. Et Gali, n'a pas Kimbe.
pour nous capables et continuer informer et public là par rapport avec et capable dit essentiel actualité et pour matin ça qui kembe actualité à nous connaît déjà c'est et mettez campé et question conseil électoral et provisoire ça et qui là et en attendant n'a et continuer pour nous capable parler avec plusieurs acteurs Moïse Saint-Eloi. Oui, Jacques, pour te continuer en rien sur l'information CEPA, est-ce qu'il y a un nom qui... Dit un bagay. Un bagay, est-ce que... Il y a un nom qui dit un bagay. Il y a un nom dans CEPA là, je connais. Ok. Et tu n'as pas mon bagay. Attends tout. Par rapport à non ou pas non. Même, par exemple, nous-mêmes, même quand on dit là, c'est pas tout le monde qui a dit que pourquoi toujours c'est les mêmes noms qui reviennent. Bon, oui. Ah, ok. Parce que. Ok. Deuxième bagaille. Mungi là, vous n'êtes pas haïtien. Hein? Oui. Ah, ben. Ça veut dire que vous attendez dans la période, l'autre non. Oui, mais maintenant, ça va pas d'accord avec le monde, c'est que façon que CEP a monté, ce n'est pas la meilleure des façons. Parce que élection veut dire consensus. Élection veut dire surtout nos pays qui ont toute qualité problème comme ça. Mais pour permettre de dire que mon yo écrit mon yo répond négatif. Il veut dire que non mais attendez en termes de secteur. C'est parce que on a fait tout à fait dans des autres depuis 87 qui fait que c'est un peu permanent. Parce que depuis après élection, première élection, bon, élection 87 est gâté, nous on s'est passé en 90 t'es gagné élection, depuis après là ça t'es supposé gagner un CEP permanent pour ne pas tomber dans la crise. Et c'est problème CEP ça, problème élection, problème qui fait que nous toujours dans la crise, nous pas qu'à sortir. Bon, et n'a pas gardé l'aspect politique là vraiment, et je dis à, mais demain, nous avons une mission édition vraiment technique par rapport avec mission conseil ça, parce que question fait référendum, c'est que les supposés et attirer attention à tout le monde dans la société, nous avons un lien avec nous, Régénard Joseph à deux, et vérité, monsieur Joseph, bonjour, merci un peu pour disponibilité, ou comment vous voyez? Allô. Je salue vous et je salue tous les compatriotes qui avaient ce panel-là et je salue tous les parisiens, bien sûr, et Capoté et Michel Farmaté. Et votre première réaction suite à la publication de cet arrêté a été nommant les membres du nouveau conseil électoral provisoire. C'est qui ça lié, s'il vous plaît, M. Joseph? Et ça le taille, c'est que Jovenel Moïse en foi encore, régime PHTK et allié, ils ont marché sous figure chaque compatriote haïtien et puis ils ont marché sous compte de fichier. Et Jovenel Moïse fait tentative pour bailler un coup d'état terrible et pour établir une dictature féroce dans le pays. Et là, pour faire ça, il est passé en papier toute loi pays, il est passé en papier tout le déraciné, tout principe démocratique que nous voulons pour lui depuis 1987, depuis la Constitution 1987, tout ça nous vient comme pilier, comme racine, comme gourmet, comme acquis démocratique, les marchés sur eux et les marchés sur toute valeur, toute loi qui va nous valeur comme république. Donc, ce acte terrible, il y a un acte désastreux et une action gouvernementale qui partait qu'à l'autre pour action PHTK pourri, tête chargée. Donc, réaction panne, nous vraiment, vraiment estomaqués. Et il y a vu encore plus la sommeil d'eau, et nous sommes sûrs que tout a été conséquent et trouvé le dur que Jovenel Moïse a crasé les marchés sur la Constitution. Il n'a jamais choisi mon lieu, parce que l'article 289 Constitution dit très clairement comment pour Jovenel Moïse procéder et pour le café choyant, qui a pour choisir l'institution, les marchés sur lui. Et article 284.2 Constitution qui dit très clairement toute consultation populaire qui doit être faite, les constitutions. Absolument et référendum comme activité. Jovenel Moïse pas respecté la loi, il n'a pas respecté les Parisiens. Et pour qu'on nous comprenne ça, parce que le bois des bananes ambassade américaine qui font des respectants terribles à chaque Haïtien. Donc, nous vraiment estomaqués, la concerté, sauf que ça nous a dit tout haïtien, ça, son type pour le cap mourir dans le jeu. Son type pour le cap mourir dans le jeu. Et que ça n'a pas passé, nous n'avons pas perdu l'acquis démocratique, nous n'avons pas perdu la valeur républicaine. Nous déjà
valeur nous comme citoyens haïtiens. Si dit nous déjà ça la terre majorité nous l'état terrible on t'a corrompu et qui donne picade toute valeur morale éthique pays qui hypothéqué avec toute jeunesse haïtienne. Nous n'avons pas qu'à quitter ça, c'est trop, c'est trop assez. Donc, nous vraiment sous besoin. Maintenant, est-ce que le problème, c'est et avec les personnalités qui ont même formé le conseil électoral là, que nous gagnons li, ou encore, c'est façon, président Jovenel Moïse l'a décidé pour limiter le conseil électoral provisoire ça, dans des situations que nous avons vues aujourd'hui là? Le problème, c'est que j'aime forcément la question de personnalité. Nous-mêmes sommes institutions qui ont fait bataille pour respecter la loi, pour respecter la démocratie, pour être stabilité dans l'État. Donc, les unis ont chef de l'État, permettre les droits pour monter, pour marcher sur la constitution, hein, pour marcher sur toute loi, les valeurs républicaines. Là, vous vraiment estomaqué, ce n'est pas vraiment forcément sous visage, sauf que, et je dis à l'usine, ça a tellement pourri, tellement scandaleux. Mais un citoyen haïtien a peut-être tête ou un complot ça. Nous avons plein d'interrogations sur famille, sur qui nous sommes, comment nous sommes, qui compte, qui parle avec nous sortis, qui forme nous sortis, qui qualité nous sommes pour faire tête. Nous comprenons côté qui a tout le monde, un régime qui tue le monde lève, un régime qui met tout le monde dans le vent, un régime qui gangsterise tout le pays, qui met de l'eau. Mais j'ai presque tout haïtien. Et je dis là, qui choisit en plus de tout ça pour marcher sur toute loi république là. Et puis, si toi, je te permets, pour aller peut-être ou non, pour le papa, ou pas innocent. Maintenant, et élection, et faut qu'élection soit faite, je dis à la, bon, on ne dit pas dit je dis à, mais faut qu'élection soit faite dans le pays, il faut être très prudent par rapport avec les questions là, puis l'élection est faite là. Mais maintenant, qui ça a besoin pour nous faire élection, et selon vous-même, Général Joseph? Mais là, je suis souffert après qu'élection soit faite, je dis à, parce que nous, il y a une photo, mon président, a publié depuis 2 semaines. Non, ak mon bête. Moun ki pral nan bête yo, y a sikri nan photo, nan téléphone, tout moun ka fè complot yo. Moun ki pral candidat nan différentes circonscriptions yo, photo yo ak non yo déjà bay. Ki sa yo pral récompense, même CP, pepe yo, tout da yon gete sou papier y a circulé. Donc, son élection ka fè pas soya. Pou jen yé la, son référendum ki ka fè jodi a bon moun di. Donc, son bel match juste, c'est pas le bien content. On va prendre une forte coordination de l'ouverture pour faire l'absence là. Donc, je vous dis, oui, à des élections, mais son grand mari qui est important, je vous dis, le régime est pourri, il écrase toutes les institutions, il n'y a pas de condition pour nous ne pouvons pas aller des élections, nous seulement à travailler nous-mêmes dans le respect de la loi, 7 février, 2000, 7 février, ouais, pas, que vous ne pouvez pas voir, Jovenel Moïse. De débarrasser le pays, il y a des régimes pour ça. Donc, nous-mêmes, c'est là, nous campons pour plus tard, 7 février 2021. Débarrasser le pays à des régimes bâtissants pour lui et sans limite. Ça, non, 4 gouttes, ça, pour débarrasser le pays à des limites. C'est ça, nous, que je dis, comme responsabilité politique. Parce que, par exemple, quelle institution qui a été aujourd'hui, toute institution, elle a craqué, je voulais retirer tout le bien de chaque dernier. Et je voulais aujourd'hui, elle a dit, monter sur la constitution, sur toute loi et tout fondement national. Eh bien, je voulais aujourd'hui, je voulais la face toute haïtienne conséquente. Pas rien pour parler là, des batailles pour le plus vite nous débarrasser pays à des malheurs pour dire ça, et protéger l'avenir nous-mêmes à toute façon. Mais, Capelouse, et merci un peu, et Général Joseph, et qu'il y ait la bonne journée. C'est moi pour ça, mes compatriotes. Voilà, il y a une idée par rapport avec et Jean, la situation lui-même lui présentée et réaction de plusieurs acteurs et politiques pour matin. On a essayé de rentrer en contact avec les gens dans le pouvoir tout, qui eux-mêmes est capable de gagner et aider et capable de dire et qui capable de gagner commentaire pour faire suite avec les dernières. Intervention du président, ou encore dernier arrêté président républicain, Jovenel Moïse Ali, fait sortir dans le journal officiel le moniteur arrêté qui a même bail possibilité ou encore arrêté qui est nommé conseil électoral provisoire, ça qui gagne des mondes qui est sorti dans en plusieurs secteurs et chaque secteur yo d'une façon ou d'une autre yo même yo a fait bout critique et pas yo
une situation qui est compliquée et nous suivre pour nous capables et continuer. Informez nous et pendant au niveau ça Maurice Saint-Éloi, nous dans zone Kafourita sur télévision Pacifique pour monde qui suivre nous. Oui, bon, Kafourita nous comme comment bagarre déjà, c'est un Kafour qui est très souvent bah problème circulation. Maintenant, la question assainissement, ce n'est pas une zone qui sont modèles, toujours un problème, chaque fois la pluie tombe et même les vagues à la pluie. Et là, on regarde, même si pas de la pluie, hier soir, terre un peu sèche, mais toujours il y a un fatrayo qui est dans le temps de la rue et empêcher que nous soyons capables de gagner une belle image de Kafourita. Nous pensons que c'est définitif que nous avons une décision qui prend pour Kafourita particulièrement, soit dans la question de canalisation, mais tout dans l'autre travail que nous capables de faire au niveau de circulation qui est dans Kafourita, même pour la lumière. Nous pensons que si nous avons mis des panneaux de signalisation, l'étape très importante dans Kafourita pour permettre que la circulation soit faite de manière et plus organisée, plus structurée, machine qui est de Carrefour Fleuriot ou bien Capsotti Clercine qui absorti à Aéroport, qui absorti Delma, zone Giral Bataille, ils sont capables d'aller dans l'autre point sans difficulté. C'est toutefois, tu as gagné des panneaux de signalisation qui t'a permis que la circulation les mêmes les fait de manière normale dans la zone. Ça. Nous toujours là chaque matin dans le coup d'œil, que ce soit dans le matin, Pacifique matin de 7h à 8h ou bien dans Journal Créole qui passait sous antenne radio Pacifique chaque après-midi, sorti 3h pour arriver 4h. Mais à partir de 3h30, nous sommes capables de suivre coup d'œil jusqu'à 4h après-midi pour gagner l'idée de comment la réalité est même liée, particulièrement dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, que nous toujours faisons nos devoirs pour nous montrer comment. L'ARIA, les mêmes liés bien avant que nous retournions sur question CEPA qui pratiquement ces nouvelles journées hein, ou bien nouvelles semaines hein, n'a pas rappelé que samedi dernier ou bien vendredi dernier il y a des hommages qui étaient à Maître Dorval, mais n'a tenu sur lui après. On va continuer avec question CEPA. Oui, nous allons parler, Jean Abdillah, nous allons parler matin avec plusieurs acteurs politiques qui ont même à suivre la situation. Ça, et surtout avec Choua Sanongi, en lien avec nous, ancien député Sadrak Dieudonné de Mokrina. Et député Dieudonné, bonjour, merci pile pour disponibilité. Où comment vous croyez? Eh bien, nous très bien, grâce à Dieu, je vous suis à danger, m'espérer que vous-même et tous les amis Mouyo, dans la radio télépacifique, nous en forme. Et dans la bataille, dans la frontière, et réaction par où par rapport avec choix président et République là et Jovenel Moïse pour mettre campé conseil électoral pour jouer ça, c'est qui s'allier, Sadrak Dieudonné? Eh bien, c'est le pouvoir et sagesse populaire là, lui-même, lui tranché. Et son regard bien sur les réseaux sociaux, et bien, ouais, le peuple lui-même, il définit pour vous-même. Électoral, eh bien, nous capables de faire une meilleure définition à ça, Jovenel Moïse. Là, et puis nous-mêmes, dans le niveau Mokrina, nous croyons que c'est une action du monde qui est désespéré. Parce que Jovenel Moïse, il n'y a pas un yen café encore là qui a un plus grand dérive. Et ça, c'est dernier dérive, lui, parce que créer électoral, j'en peux plaire des lapes. Nous-mêmes, il va y avoir des peuples-là qui, en effet, c'est ça, qui créent l'électorat. Et non seulement l'île là pour organiser une sélection électorale, mais également l'île là pour lui changer la constitution. Et on véritablement pense que ce bagage-là. Une situation qui est très complexe, là, je vous dis à la Sadrak Dieudonné, c'est que. Réalité a mandé à ce que y ait des élections faites. L'élection par exemple faite depuis le président Jovenel Moïse et monté dans la tête l'État. Et je dis à la par rapport avec la situation ça, qui ça n'a fait? Et l'organe du président Jovenel Moïse qui a tout le support de l'international, particulièrement des États-Unis. Et nous connaissons pourquoi la communauté internationale a gagné une décision qui a pris au plus haut niveau et l'État dans le pays d'Haïti. Écoutez, votre réalité a mandé pour organiser. C'est pas vrai. Réalité a pas mandé pour organiser nos élections. Réalité a nous mettre Haïti et sous rail démocratique. Il mandé pour nous mettre Haïti sous rail modernité. Nous ne devons pas seulement par des élections. Mais c'est pas nos élections qui sont capables de Haïti sous rail modernité, par développement.
réalité pour nous comprendre. L'immédiat pour nous changer de système, l'immédiat pour nous changer de constitution, parce qu'on n'est pas capable de changer de système pour passer par une mutation constitutionnelle. C'est le nouvel de ZPA, son bagage, la fin a été repris HTK pour pérenniser HTK au pouvoir, veiller à Yepal parce que force et une force nationale, lui ouvrit déjà le président Jovenel. Et tout le monde qui fait partie du MPH, la première version, deuxième version, qui immergeait dans la corruption, et bien tout le monde a eu besoin d'assurer qu'on pourrait faire, par exemple, faire un bon et du fort. C'est ça qui a prévu là. Réalité a demandé pour organiser l'élection qu'on y a là. Réalité a demandé pour nous mettre l'ordre dans le pays là. Réalité a demandé pour nous ramasser les âmes qui n'ont même pas dit. Réalité a demandé pour nous faire total et on souffre. Pas réalité a demandé. Et puis, après, on a réalisé l'élection parce que pas une condition qu'on y a là qui réunit pour organiser de bonnes élections dans le pays là. C'est pas organisé qu'on y a là dans le pays là. C'est exactement la exacte tension pour envenimer la préférence des problèmes qui gagnent dans le pays. Et situation compliquée et complexe. Et bon, en tout cas, nous suivons et j'aime tout du lien là pour nous capables de continuer à avancer, Moïse. Oui, et pasteur Sadrak, est-ce que Mokrina, dans le secteur protestant, est-ce que nous avons assisté à quelques réunions pour le secteur à Tavoué au monde dans le conseil électoral là? Mais non. Maintenant, il n'y a pas consulté vraiment l'espace dans le niveau secteur protestant qui est désigné en représentant. C'est Fédération protestante d'Haïti qui connaît ça. Donc, vous savez, on est déboudé. Eh bien, on est déboudé. Tout secteur, on est déboudé. Et des marches du président Jovenel Moïse, et le président Jovenel Moïse n'a pas discuté. Et il a choisi Mounpaïo. Un membre de HTK, et puis vous mettez dans le conseil électoral, il y aura. C'est ça que le peuple a réglé, le conseil électoral. Moi, fort. En tout cas, un 4 pelouses. Merci un pile et ça n'a que de donner Kimbe là. Kimbe là, mes amis. Voilà, et réaction qui est passée ce moment, nous prêts pour. Nous capables d'essayer de jouer plusieurs réactions au niveau du palais national tout par rapport à la question ça, surtout le côté technique de une mission que conseil ça a gagné d'après arrêté qui soutient et la mission conseil a gagné c'est organiser référendum constitutionnel Jacques Ambroise. Bon oui, et une mission qui d'après un peu les mais c'est là nous avons un problème c'est que et semaine qui s'est passée, hein, et les bêtes configurées d'Oval ont assassiné. Et il était dit que faut qu'on l'autre constitution. T'es toujours à dire ça. Et ce moment favorable que qu'on y a là pour une constitution, pour qu'on l'autre constitution, avec et ou sans président Jovenel. Là, m'a dit exactement ça, mais configurées d'Oval l'a dit. Quelqu'un soit monde qui va le venir pouvoir là. Pas Kabagon, l'autre, et avant de penser élection pour mettre président, député, sénateur, etc., faut ou gagner en l'autre constitution. Mais maintenant, est-ce que dans la façon que le président Jovenel Moïse choisit KIP ça pour le mandat pour faire référendum sur la constitution, ensuite organiser l'élection? Moi-même, Jacques Amboise, d'accord? Non. Parce que nous pensons que j'ai un pays à diviser là. J'ai un pays à un problème là. J'ai un pays à tout le monde à couteau tiré dans le pays. Nous n'avons pas fait un rien si nous n'avons pas joué un consensus minimal là. Consensus nécessaire pour qu'il permette d'avancer. Parce que nous avons fait ça depuis 30 ans. Mais un rien pas jamais marché. Parce que chaque groupe toujours comprend que y a un monopole la vérité. Donc, ouais. Tout dernièrement, nous t'avons invité. Là, il a parlé avec nous. Et puis dit, m'te dit tel bagage. M'a pas dit encore. C'est comme si ou t'es une vérité de l'évangile, vérité de la palisse. Non. Je dis à pays à montrer que nous n'avons pas une vérité de la palisse. Nous n'avons pas une capacité de façon péremptoire pour dire que c'est ça ou bien. Non.
faut que nous avons une passerelle. À côté, monsieur Sao. Pas connu, non? Et monsieur Passerelle, qui te mène dans Mariotte. Dans Mariotte, à Comariotte. Faut que nous passerelle pour qu'il mette Haïtien Chita ensemble pour nous faire ça un café. Parce que, entre-temps, ce pays a mouru. Nous avons l'hôpital. Nous avons et l'école. Nous n'avons rien dans le pays. Et homme d'affaires fait faillite. Et gen de lè, ou jen de toi moun tou, yo fè de toi ti kozé, et puis yo fè gros bruit à causer à comme si. Non! On ne peut pas faire un pays comme ça. On ne peut pas continuer ainsi. Donc, ça qui est fondamental, qui est important, je me dis, ça pour nous faire, il faut que nous arrivions à côté pour nous dire, ça nous pourra le faire, nous peut-être au moins 25 ans, 30 ans, 40 ans après, pays a pas bien pour connaître toute crise que l'a connait là yon. Parce que c'est sortir dans crise et tomber dans crise. Bon oui, et son situation difficile avec formation nouveau et KEP ça nous pas voulu revivre même ça que nous vivre avec et président et Martelly nous songer qui dans plusieurs temps t'ai formé plusieurs conseils électoraux jusqu'à ce que nous jeunes dernier qui t'ai fait élection t'ai gagné une que non il va faire élection. Non, oui, jusqu'à ce qu'on devienne tombé sous privé, et puis privé aussi fait une fait conseil électoral. Exactement, parce que. Et Emmanuel Ménard est président, l'autre Jésus Pierre, lui. Et correct. Donc, maintenant, c'est parce que. Faut que nous trouvions un consensus minimal là, consensus nécessaire là. Et je dis à là, par exemple, et M. Ménard, et qui était président du conseil électoral, qui n'a pas fait élection. Mais je dis à c'est un gros membre de l'opposition. Oui, bien sûr. Quand Jovenel Moïse, alors ce qui est une question de poser, mettre mes natons. Oui. Et il y a un membre du conseil électoral, ça y est, au songe qui était avec un pancarte normal qui m'a dit que Petro Caribéa et nous connaît. Et puis il vient même. Madame Motimi, Madame Motimi. Ça veut dire que nous. Nous ne faisons pas des attaques. Ou on est loin pour mourir. Faut que nous bon côté arriver. Pour nous voir bien, je sais qu'on a fait folklore. Oui, et Jacques, nous avons allé avec nous. Jean-Tel Joseph, et qui est proche pouvoir à Tel Kaléa, et qui est une responsable consortium et national et parti politique, si je ne me trompe pas. Ou si je me trompe pas, monsieur Jean-Tel, ou à corriger. Moi. Bonjour, merci un peu pour disponibilité. Ou comment vous allez? Merci beaucoup. Merci avec tout le staff Radio Télé-Pacifique qui invite nous. Dans l'émission ça matin. Donc, moi, content avec nous. Et première réaction par rapport avec et mise sous pied de et conseil électoral pour vous voir ça, c'est qui ça allié sous plaie? Bon. Et c'était une attente. Et nous-mêmes, au niveau du consortium national des partis politiques haïtiens que nous avons gagné. D'ailleurs, nous avons toujours fait pression pour que l'élection organisée dans le pays. Hein, pour gagner un conseil électoral qui montait. Donc, pour nous, publication arrêter ça, seront pas dans la bonne direction pour que nous arrivions vers l'organisation des prochaines joutes électorales. Cependant, les conseillers électoraux, garçons et femmes que moi qui n'en lis ça, Je dois prendre courage à demain. Ce n'est pas un travail facile dans un pays qui est un petit peu divisé. Il faut reconnaître ça pour que vous mettez au travail rapide parce que le pays n'a pas qu'à continuer à fonctionner dans un vide, avec un vide institutionnel. Le pays n'a pas qu'à continuer à fonctionner côté nous pas un parlement, nous pas une collectivité territoriale qui est élue suivant les prescrits de la Constitution. Donc, nous pensons que, je dis, hein, tout le monde, généralement quelconque, doit mettre main, doit poter coller avec le nouveau conseil électoral, ça, pour que nous arrivions réellement à combler vide institutionnel. Monsieur Joseph, par rapport à combler vide et institutionnel, nous avons un désaccord à vous. Parce que, et c'est vrai que nous avons peut-être 4, 5, 6 mois depuis nous avons un vide institutionnel complet. Pour magistrat, c'est 2 mois, pas vrai? Ça veut dire que tu as une élection organisée. En termes de résultats, et nous avons toujours gagné du mal pour nous les résultats. Maintenant, l'élection, depuis quelques temps dans le pays,
On dirait que chaque fois qu'on choisit et représentant, eh ben résultat yo et yo même a diminué et yo mettait dans plus de chargé. Est-ce que moun qui a dit Jean président possédé pour de façon unilatérale pour le capable élection c'est pour tout le monde mais li pa bay garanti que élection hein, la garanti tout le monde. Laissez-nous donc bagaille avant nous faire analyse, pas nous faire réflexion ça. Laissez-nous donc bagaille. Nous sommes en démocratie. Et je dis, soit dans la liste du ministère de la Justice, là, on pourrait gagner plus que 210 à 220 partis politiques qui gagnent reconnaissance légale du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et on joue un continuaire qui toujours, toute majorité là-dedans, c'est des gens qui politiquement échoué. D'ailleurs, c'est eux qui mènent nos côtés, nous, là, je veux dire, génération PAM, génération POLA. C'est eux qui mènent nous là, je veux dire. Parce que vous avez un sens pour être président, pour être ministre, pour être sénateur, pour être président, pour être député. Mais le résultat aujourd'hui, côté que vous rejoignez le président Jovenel qui partit dans la politique, lui rivé, lui battu tout, lui rivé dans tête pays. Il faut être d'accord que la classe politique qui échoue, et il faut que nous savons qui échoue à tout, bail pays a une chance. Parce que moi-même, je ne peux pas accepter pour petit moins. Demain matin, c'est même bagaille ça, pour le vivre. Il faut que nous bagaille qui fait. Il y a de monde. Faut que nous fassions différence entre l'ensemble des partis politiques et de monde qui parle fort tout le temps. Conseil de monde qui choisit, qui pas même dirigeant politique. Moi, je qui pas politique. Je suis d'ailleurs parlé fort et au campé, il y a tout le barricade pour développer un pays. Ça. Eh bien, je dis, nous-mêmes, comme groupe politique, nous gagnons en réflexion. Il y a des gens qui parlent là, c'est comme si ce sont des partis politiques les plus représentatifs. En tant que président du consortium national des partis politiques, c'est faux, parce que eux-mêmes, ils ont organisé la dernière élection législative. Dernière sénat qui était là, c'est eux qui ont organisé le sous-privé. Regardez pour eux, tout le monde qui parle, c'est eux-mêmes qui représentants au niveau du Parlement. Eh bien, les partis les plus représentatifs aujourd'hui, ce sont les partis qui sont représentés au niveau du Parlement, parce que c'est eux-mêmes qui parlent fort. Qui t'a organisé l'élection, ça. Nous autres, nous avons besoin des élections. Il faut qu'il y ait des élections maintenant, dans le pays. Maintenant, et par rapport avec représentativité, on va parler là, et qui parti politique qui adhéré avec et cette décision du président de la République, qui représentatif, je dis à là, d'après vous-même. Je dis à quels sont, alors, ou même comme journaliste, m'a invité à faire ça, non, quels non. sont les partis présents actuellement au niveau du Parlement. Partis qui présents au niveau du Parlement, ce sont des partis qui ont légitimité que privé et organisé élection et y arrivé au niveau du Parlement dont oui, mais... la plateforme que je dirige est présent au niveau du Parlement. Donc, on prend exemple ça, on m'a parlé au niveau du consortium qui est présent avec le sénateur. Oui, mais maintenant, et, au niveau, par exemple, Joseph. Attendez, ça m'a dit, ou elle pour prendre position consortium. Mais oui, mais maintenant, c'est pas bon espace tout, et c'est bon espace pour décider par rapport à la position de votre parti. Mais pendant que nous avons essayé d'édifier mon captain de nous tous, Jean-Tel Joseph. Très bien, très bien. Maintenant, c'est dans la logique ça que je vais avec vous là. Au niveau du consortium qu'on a dirigé, et c'est vrai que nous adhérons avec le mouvement ça, combien de partis qui représentatifs qu'on dit à là, je dis à là qu'on connaît, qui adhérent avec cette question d'organiser des élections dans la situation que nous y a là, M. Joseph. Ok, laissez-nous dire un bagage. Je dis un bon pas qui fait vers l'organisation des élections. C'est le conseil électoral qui va gagner pour mission lui-même pour lui dégager, pour lui mettre une méthodologie en place. C'est le pouvoir qui va gagner pour mission pour lui créer les conditions sécuritaires pour que l'élection sérieuse arrive à organiser. Et c'est qui parti politique et qui a adhéré avec position sérieuse. Je veux dire, moi attendez certains mondes. Et puis nous sommes en démocratie, il y a un monde qui est capable. Et une position pareille, chaque monde a une position pareille. Mais nous autres, nous ensemble de structures politiques, nous en concertation là. Et je ne vais pas avoir une position anticipée, mais il y a un travail qui a fait, et m'a dit que, et m'a repris ça me doulan, je dis qu'il y a plus que 210, plus que ça, partis politiques qui ont une reconnaissance légale au niveau du ministère de la Justice. Il y a des structures politiques qui ont existé dans le temps, qui ont nous, mais je dis qu'il n'y a pas rien encore dans la société. Donc nous-mêmes, nous ne pas demander pour mettre personne dehors, mais nous ne pas accepter tout pour nous penser, parce qu'elle a une position contre l'élection,
et pour le mandat pour me compte élection, laisse ça me pas dans la démocratie. Mm-hmm. C'est droit mon yo qui compte élection pour compte élection. C'est droit pour manifester. Moi-même, je ne suis pas la présidente du président, pas mon ça au terrain pour manifester jusqu'au 7 février 2022. Parce que nous sommes en démocratie. D'ailleurs, si nous ne pas quitter manifester, si elle campagne faut en quoi contre ça va le passer, nous pas dans la démocratie encore. Donc là, on a démocratie, faut que monde qui pour, faut que monde qui compte. Mais moun ki pour pas empêcher moun ki contre et manifester position, de même moun ki contre tout, pas qu'à empêcher moun ki pour et manifester position. Je dis, nous-mêmes, nous inscrits, nous dans la logique ça, faut que de moun ki contre, faut que moun ki pour, yon pas qu'à empêcher l'autre exercer droit par eux. Nous sommes au niveau de consortium, Monsieur Joseph. Pour des élections. Ok. Non, yon ki pou, yon ki compte, ou so dit à l'heure, problème yon pas facile, son pays qui en crise. Non, tout ça, ça que t'as doué dénominateur commun. C'est-à-dire, qui ça que t'as doué mette ni opposition, ni moun ki pou, ni moun ki compte, et son même ligne. Tim Doum, bagay, camarade. Gen plus fort qui fait ces derniers jours, ces derniers, on nous dit pendant 3 dernières années, ça yo, pour que gagne. On entente qui joignent entre Haïtiens. Nous-mêmes, c'est une bagaille qui est toujours prônée. Mais il faut toujours prôner dans tout pays qui fait politique, toujours gagner de monde, des modérés, toujours gagner des extrémistes. Ou pas qu'à forcer un extrémiste pour demander pour le venir chita, pour le dialoguer. C'est pas naturel. Extrémiste, là, c'est lui seulement qui existe, c'est lui de pas là qui pour primer. C'est ça que fait aujourd'hui, on vient de monde qui dit, même, il n'y a pas besoin de connaître, c'est aller pour le président Jovenel aller. Il a dit au président, pourtant, le président Jovenel, lui constitutionnellement, il n'y a pas de ça, il a posé, ça a demandé pour faire son bagage qui fait en dehors de la loi et de la constitution. Il n'y a pas de gens qui connaissent l'alternance politique quand il y a le fait, c'est préparé pour aller dans l'élection, mais peut-être d'ailleurs pour voter, mais il même choisi, peut-être qui peut aller voter, il y a même manifesté dans la rue chaque jour, il a fatigué mon yo. Chaque jour, on y a sorti en bas la ville, monter Pétionville, descendre à pied. Donc, on y a réellement fatigué et y a baillé un menti constamment chaque jour pour dire on y a prendre le pouvoir demain. Après demain, le président Jovenel va aller, c'est au pas installé. Il y a pris contre même monde qui est dans et qui compte pouvoir pour faire bataille. Et puis, je dis, le résultat, c'est là. Donc, on y a pas un pour rien au monde bien là-dedans. On m'a parlé des extrémistes. Il n'y a pas jamais voulu élection parce qu'il y a un bon dette. Il y a engagé parce qu'il y a dit à jeter pouvoir. Monsieur mais le pays n'a pas pour nous seulement. Yo te occupe pas qu'il y ait espace dans le pays, yo pas qu'à choisir même pour mettre en otage. Imaginez-vous mon frère, il faut changer d'onde là. Je dis à vous-même, ou là, combien, est-ce qu'il n'y a pas fort de petits qui dit on va aller dans le pays là? Est-ce que je dis à vous pas réparti pour vous faire encore? Est-ce que nous avons accepté un bagage comme ça comme démocrate? Nous pas qu'à accepter, nous-mêmes pas accepter, consortium pas accepter, monde nous pas accepter et nous pas le pays accepter que c'est nous ça, j'en voulais mener le pays. C'est pour nous prendre route d'élection, route dialogue, c'est pour nous prendre route concertation, parce que c'est le dialogue à concertation qui a mettre nous sous rail, je vous dis. Et par rapport avec la deuxième mission que le Conseil a gagné, autre qu'organiser des élections, c'est et faire un sacré les référendums et constitutionnel. Et comment comprendre une question ça d'après vous? Bon, moi je pense que c'est des bonnes guerres, parce qu'il y a un paquet de secteurs dans la société là, et qui ont même manifesté volonté pour qu'il y ait une nouvelle constitution. Mais maintenant, constitution dit-li. On démarche consacrée ici avec le Parlement, avec l'honorable député Thierry Tardier. Dernièrement, là, on a l'autre initiative que OPC te prend. Et un paquet de groupes dans la société qui sont d'accord que la constitution est son source d'instabilité. Puisque son source d'instabilité, il faut que nous saisions l'opportunité pour nous corriger. Et moi, je pense que c'est des bonnes guerres pour que nous mettions ensemble pour nous doter pays à une constitution qui est applicable. Je dis à la. Qui va pas créer instabilité. Article 284-3 constitution dit. Toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite. L'engalatique ça et que décision t'apprend pour bien faire un référendum qui fait au niveau et pour échanger la Constitution, est-ce que c'est pas violer la Constitution même? Allez-y. Je dis ça n'a pas allé.
Nous nous disons de qui ça n'a pas parlé. Est-ce que aujourd'hui le Parlement, d'ailleurs, nous connaissons une constitution ça que nous gagnons, qui sont sous d'instabilité, lui a créé trois pouvoirs. Nous gagnons le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. OK? Donc, pour qu'il y ait équilibre, il faut que trois pouvoirs ça soient fonctionnels. Je dis, où est le Parlement? C'est le Parlement qui a une mission ça. Et nous, toutes les règles nous comptent que Jodian nous pas arrêté comme ça. Il n'y a pas de Parlement. Jodian est un bon bagage. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Lorsque nous parlons de consultation populaire, c'est-à-dire c'est que un référendum sur consultation populaire, c'est que nous levons au-dessus de tout. Comme si, parce que la Constitution a dit ça, il n'y a pas qu'à appliquer, nous avons tout problème et puis nous ne pouvons pas pour nous changer. Non mais, pour nous chiter, pour nous changer, écoute, M. Joseph, il faudrait un consensus. Et je dis à la, pas aucun consensus, non? Mais dès que le consensus soit parlé, Babdou, le consensus est en route. Nous ne pouvons pas avoir un consensus avec des extrémistes. C'est un bagage. Quel pays, je dis, on nous prend et les États-Unis. Et les bons séries de pays qui attaquent, c'est des terroristes qui attaquent. Est-ce que vous pensez qu'il est arrivé un protocole d'accord avec vous? Quel est le monde qui décide, qui par exemple, vous-même, vous avez dit, pas rien qui a fait me composer à Jovenel, je vais me battre pour me faire échec. Et ma rappelle pour en 2004. Moi-même, dans la structure politique en 2004, moi j'étais quand même de dire ma fait échec avec Aristide. Ok? Moi j'étais un rapport de force qui est en face de nous et nous défaire. Ok? Mais je dis là, un paquet de l'eau qui coule sous point, il faut que nous pensions autrement. Et nous-mêmes, la presse, en tant que directeur d'opinion, il faut que nous connaissions le capital que nous jouons aujourd'hui. Parce que nous avons capté de parler, nous avons dit dans la radio, nous avons passé Jésus, nous avons passé cela. Nous n'avons pas de parti politique. Parti le gagnant par grand adresse, les par grand green idéal, élection faite sous élection faite, les par jambes grand élu, et puis nous, il faut la parler fort à bouche lui. Nous pas qu'à tolérer ça. Gagner les gouttes à parler dans la radio, c'est menti, tellement par madame, oui. On prend le président, on prend le ministre, et puis j'ai obligé chaque jour dans la rue à faire ma carte. Je dis, il faut qu'on gomme pour que politique là par un job, pour les gars dans la rue, chaque jour, ils créent des prennent des jeunes, ils font retourner des ouvriers du béton. Chaque jour, il y a 1000 gouttes par jour. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Il faut nous gommer pour ça à changer. Et pour nous gommer pour ça à changer, il faut que la constitution soit changée. Et je dis à la. Ou victime de ça, je dis à la. Et je dis à la. Pour la OECD, est-ce qu'elle parle de l'école? Parce que vous groupe qui campait, il dit non, l'école n'est pas pour faire. Parce qu'elle parle de pouvoir. Je dis à la. Nous travaillons dans la transition. Qui ça nous fait avec? Nous ne faisons rien avec elle. Et bien, je dis à la. Nous devons couper en bas la loi. Nous devons entrer dans le processus normal là. Dernière question à poser, vous remercie pour disponibilité ou Jean-Tel Joseph. Malgré la situation PIA, nous avons dit président, adelante. Chef, le président a une permission comme garant des bonnes marches des institutions de créer les conditions nécessaires pour PIA marcher. Nous n'avons pas dit le fait back. Il n'y a pas de droit de démissionner. Nous avons plus que deux ans là. Il va créer, non? Et le monde qui a pas de démissionner, c'est bouche au gagné. C'est fort qu'on a parlé dans la radio. Mais sur le terrain, il n'y a pas de rien. Nous-mêmes, en tant que consortium national des partis politiques haïtiens, nous-mêmes, en tant que monde qui croit dans la démocratie, nous attendons le souterrain, à choisir candidat, en nous gommer, en allant affronter pour nous battre. C'est la bataille là aujourd'hui. Et ma vie, nous ne pouvons pas contre le monde, nous ne pouvons pas faire le monde. Je n'aime pas qu'à faire politique pour être choisi, pour tout le monde qui a eu le col caïmé à pas aller, pour tout le monde qui pas aller dans la faculté, ne pas prendre pour nous, et ne pas prendre tout même pour vagabond à mettre en otage. Il faut que les gens comprennent que la politique a fait ton l'autre gens, il faut que la société a soulevé et levé contre les qui choisit pour craser tout le sacreté dans le pays. Pour arriver dans un moment pour ces blancs qui ont dit, mes amis, il y a une chance qui est élection faite. Et nous, même haïtiens, nous baillons au micro. Nous qui te appelé par en pile, nous qui te craser, nous qui te briser, derrière qui ça nous était dans le pays. On a dit peuple là, pour le comprendre, que génération qui est chouée, depuis 1986, le président, le député, le sénateur, le magistrat, résultat égal à zéro, il faut que nous continuions d'aller au canet pour fermer les bouches, pour le bailler, il y a une chance pour avancer. Merci beaucoup. Merci un peu, la Joseph Kimbela, bonne journée. Merci. Voilà, il est 8h, la pause d'après tout de suite. Il est déjà 8h. Il est déjà 8h. Pour le pays, pour les anciens.
qu'on doit dans le travail, doit pour joindre un petit morceau la justice, doit pour faire respecter bien à l'honneur, dignité, liberté. Pacific FM a présenté le mot du droit. Droit mental qui pourrait fierté nous. Avec Maître Rodrigue Dumas. Dans le sens figuré, dans le trafic d'influence, ou est d'abord le trafic qui sortit dans l'italien, trafico, qui rapporte à un commerce illicite, raquette, mauvais deal, dans le sens trafic drogue ou bien trafic zam, avec influence dans lui-même ou encore influencé, qui c'est action yon moun pour aller en l'autre loin, mener le prêt, en diosel pour mettre en bas pour yet li. D'où, en droit, pour nous piquer, dans le pays d'Haïti, d'après l'article 5.9, loi 7/2014 sur prévention et répression phénomène corruption, de pas parler de trafic d'influence. Ou faire référence à situation yon moun qui utilise influence réelle li genye ou bien li supposé li genye pour servir comme intermédiaire bon côté yon autorité publique ou bien fonctionnaire l'état pour qu'arrive joindre que ce soit yon travail, yon contrat, yon marché public, yon décision favorable pour l'autre moun ou bien yon institution à condition gen l'argent qui raché ou bien gen promesse l'argent qui fait ou bien avantage quelconque dans cadre deal ça. Plus généralement, trafic d'influence là mettait en présence particulier ou bien institution qui offrit l'argent, ou bien fait promesse l'argent, ou bien n'importe autre bagaille là. À autorité à tant qu'un président, membre cabinet en président, premier ministre, membre cabinet premier ministre, ministre, parlementaire, pour autorité ça intervenu bon côté yon l'autre autorité ou bien yon administration pour permettre bénéficier à joindre avantage ou bien décision favorable. Mais trafic d'influence sans rien droit manifester tout sous forme en particulier qui prend yon l'argent ou bien recevoir promesse l'argent nan men l'autre particulier pour utiliser influence bon côté autorité publique qui lui même gen pouvoir pour rendre une décision en faveur l'autre monde. D'ailleurs, c'est ça qui expliquait que article 5.9 loi commencer avec une formule générale qui coque sollicite ou agré des offres dont ou promesses etc. Tout comme c'est une situation en particulier qui adresse à une autorité ou bien un agent public qui par mesure ba les satisfactions directement soit demande là pas entrer dans mission à attribution autorité ça ou bien il pas qu'à satisfaire dans moment mais autorité a utilisé fonction pour servir de pont entre particulier avec une autre autorité ou bien administration pour permettre d'y l'arrivée faite. Quelle que soit forme trafic d'influence l'en prend, d'après l'article 5.9 loi 7 mai 2014 là, l'irrité en zak qui doit punir sorti un an pour 3 ans de prison, avec une amende sorti 150 000 pour jusqu'à 250 000 goudes, en plus pour la justice confisquer l'argent ou bien n'importe autre bagaille qui te bail ou bien qui te promet là. Bien entendu, contrairement à l'autre pays, évidemment sous pression avec mobilisation population pays ça yo, tant qu'au pays Brésil par exemple, côté dans date 31 août 2016, Sénat arrivé destitué président Dilma Rousseff dans un dossier trafic d'influence dans cadre scandale corruption compagnie pétrolière Petrobras pendant que la justice inculpé ancien président pays ça Luiz Lula da Silva dans dossier ça ak nan pays Corée du Sud côté dans date 9 décembre 2016 Assemblée nationale pays ça arrivé prononcer destitution président Park Geun-hye toujours dans cadre d'un dossier trafic d'influence qui impliquait un ami proche président là qui est arrivé à utiliser relation amitié avec le président pour te forcer en série de entreprises balé 70 millions de dollars qui est classé dans poche d'elle dans pays d'Haïti loi ça yo était attendu un jour pour commencer à appliquer. En tout cas, chaque année l'état haïtien perd plus par ses 500 millions de dollars américains qui pas arrivé entrer dans caisse li mais qui fait route cochue et puis atterrir dans poche escamoteur raquette dans tout pouvoir l'état yo dans administration publique là. L'argent qui détourné, gaspillé, dépatcha et qui était doit utiliser pour développer pays, dans construire route, toute qualité infrastructure, bâtir l'école, l'hôpital, logements sociaux, mettre de l'eau potable, manger pour tout le monde, joindre pour manger, pour pas obligé à courir quitter pays, qui vient tourner en l'enfer pour yo et puis pral connait toute qualité brimade avec humiliation dans pays Brésil, Chili, à République Dominicaine. Maître Rodrigue Dumas, Pacifique FM. Pour tout conseil à suggestion, composez 49 39 79 19 ou bien cliquez sur www.lemotdudoit.net à page Facebook Pacifique FM. Le mot du doigt en route vers un état de droit. Rite branché. N'a tourné talle. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on connaît bonjour, c'est un petit mot des syllabes qui cal ouvrir toute porte? Ah oui. Est-ce qu'on connaît tout un simple petit bonjour qui a aidé un prochain passer une bonne journée?
Ça, c'est vrai. Dis-moi bonjour, m'a dit bonjour, comme ça, la vie va plus belle. Ça, c'est un message Radio Télé Pacifique poté pour améliorer le rapport mon ak moun dans le pays. L'idée pour sensibiliser tout peuple haïtien sur l'importance nouveau 4 identification nationale. Office national identification, ONI, tamen yon campagne dans 4 coins pays d'Haïti. ONI a profité rappeler tout le monde. Délai pour aller faire nouveau 4 identification nationale, c'est 16 octobre 2020. Cap vini là, Jean décret 18 juin 2020 a mandé ça. Qui donc, citoyens tout partout dans le pays, marché pressé, tout bureau ONI déjà l'ouvri porte yo bien large pour recevoir demande yo et puis bay au service pressé pressé avec bon gens accueil. Ou doit marcher avec une pièce là yo. Baptiste, extrait d'archive, certificat baptême légalisé. Ou même madame mariée qui t'a remé mettre nom mari ou sous 4 signes. Songez marché avec avec acte mariage. Pièce d'identité si là, c'est en 4 multibiométriques. Ça veut dire, li fait à partir toute information sur moun kap fel la. Tant kou, empreinte doit li, empreinte gel ak reconnaissance faciale. Mettez sous ça, li vini ak yon piste électronique qui donc, pa gen pièce possibilité pour faire faux 4 ça. Nouveau sin, fait rapide, facile ak yon matériel solide qui pote non polycarbonate, li résister ak glo, chalet, et puis bay yon garantie 10 ans. Tout citoyen à la ronde bade doit dégager au koumet Jean-Jacques pour gen nouveau 4 avant date 16 octobre cap vini là. Pas oublier, aucun monde pas autorisé à le chercher 4 pour moun. C'est médecine seulement qui peut passer chercher dans bureau ONI côté le te fel là dans une période qui pas dépassé 8 jours. ONI a prêté l'ouvri 7 jours sur 7 pour servir population hein. Moun kap viv ak yon handicap gen priorité nan tout bureau l'ONI. Pas attendre date 16 octobre arrivé sous nous pour nan le faire 4 là. C'était un message Office National Identification ONI. Maman, car on machine. Faut le faire, crash check, ça c'est Subaru. Boum, boum, tapa 4, ça c'est Subaru. Yes, le fait mon nez, gars du sol, Subaru. Boum, bagne prenant wash, j'aime le Subaru. Yes, faut le faire, crash check, ça c'est Subaru. Boum, boum, tapa 4, ça c'est Subaru. Le fait mon nez, gars du sol, Subaru. Yes, bagne prenant wash, j'aime le Subaru. Subaru, mettez-moi, frère, mettez-moi. Des chaises malaises moule soir qui machine lick swap jeune n'a pris ça yon machine japonaise wa di konnichiwa konnichiwa kado chassis machine classe si c'est pas le vire regardez les ma passe tout mes kado vitesse kado sécurité kota pas ka passer kon Subaru toujours passer faut le faire crash check ça c'est Subaru vum vum pas ka ça c'est Subaru je peux mon nègre du sol Subaru Subaru pas que prendre wash aime le Subaru Subaru faut le faire crash check ça c'est Subaru vum vum Subaru, bagay bon nan wash, lem nan Subaru. Sou ta reme gon Subaru, menm jan vèm, vin jwenn nou nan Automeka. Adresse 22 boulevard Toussaint Louverture sou route Ayopoa. Téléphone 2941-2544 et 2941-2545. Et sou net la, automeka.com. Ou gros machine, ki metye ou? Docteur, ingénieur, agronome, comptable, chômeur, machine ou an, lè ou libre. Ou ka fè ou libre? Ou libre son application ki tank ou Uber, ke ou télécharger sous téléphone ou, kap voye passager pou ou. Ou ap touche sans problème, et si tout, ou pa besoin longe men ak passager pou touche, ki donc, no contact. Télécharger kounye a même, application ou libre pou chauffeur. Passager a gen application ou libre ki nay, ou même ou gen application ou libre ki nay. Fè sa kounye, ou ap ka télécharger sous Play Store ou bien Apple, sa ouè. Kounye a ou nan business. Ou libre pou ka pi libre. W-O-U-L-I-B. Ou libre pou ka pi libre. 4935-76-76. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseil déco ou commande personnalisée, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Bohème sur Facebook et Instagram à Bohème Boutique HT. Cadeaux, accessoires, mobilier, Bohème. Un peu de tout, de partout. Compagnie non enrelé Pinson SA. Et li pa gen aucun autre nom. Pas prendre un faux mamite, pas prendre un imitateur. Directeur compagnie, c'est
ti pinson tête noble. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque deux ans, il est obligé de passer un examen pour voir si monsieur au courant dernier technique et dernier produit qui gagne sur le marché. Donc, ti pinson tête noble certifié comme spécialiste dans le combat du fait. Pinson SA, Delma A1. Numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Glamour, fashion, tendance and vintage, Bella Boutique a la baguette magique nécessaire pour vous transformer en ce que vous voulez. Trouvez la tenue idéale à Bella Boutique qui vous laisse un large choix de marques pour un mode qui vous convient et qui saura répondre à toutes vos envies. Passez à la rue Panaméricaine, local Harry's Restaurant, suite 111 ou appelez au 42 64 03 03. Choisissez Bella Boutique pour se faire chic et se sentir unique. Ton référence BRH pour lundi 21 septembre 2020, c'est 80 gouttes 21 pour $1 américain. N'a pas rappelé tout le monde. Ton référence BRH calculée et puis publiée pour journée 1, c'est résultat transaction achetée dollars qui fait dans la veille sous marché change là. Pas oublié, ton référence là disponible tout le temps sur site BRH là, www.brh.ht, sous compte Twitter BRH, BRH Haïti, ou soit ou carrélé centre contact BRH là gratis dans 80 74. 80 gouttes 21 pour $1 américain. Pendant pays États-Unis, Haïti et partenaires régionaux ont travaillé pour préparer une saison capotée en pile cyclone pendant la pandémie COVID-19. Nous avons déconseillé les migrants pour parler avant de prendre un bateau pour faire voyage dangereux sa yo, qui a même la cause de la mort. Dernier groupe 266 Haïtiens qui ont été menés retournés au Cap Haïtien, après l'autorité de l'État, montrer une autre fois encore que c'est la peine pour nous risquer la vie dans les gens de voyage ici. Là, yo. Pays États-Unis partage des pays d'Haïti pour yon des meilleurs pour peuple. Et puis, nous continuons à travailler pour yon Haïti qui est plus sûr, qui a plus sécurité et plus prospère. Chauffeur propriété machine qui t'a remé teinté, filmé vite machine yo, ou bien qui déjà gagne vite machine yo, filmé teinté, DGI voye fait nous connaît, article 10 décret budget 2019-2021, fait nous obligation pour nous passer dans la direction générale impôt qui pis près ou là, pour venir payer, pour qu'à joindre autorisation. Mes documents pour nous poter, papier machine nan, fok ou pas de vignette, matricule fiscale, permis de conduire, pièce d'identité valide, ak montant l'argent qui c'est 10 000 gouttes. Pour institution ak entreprise yo fòk yo pote kitis fiskal ou patente valide, kad d'immatriculation fiskal, papier machine nan en règle, papier assurance valide et puis preuve paiement qui c'est 10 000 goud la. Pas oublier, autorisation pour vite filmer a pas empêcher la police rete machine nan pour faire travail contrôle qu'elle était toujours qu'on fait pour garantir sécurité tout monde. Si ou pa gen autorisation DGIA ou ap pran contravention 20 000 goud. Marcher à autorisation dans machine ou pour pas aller nous raconter et puis payer contravention tête nègre. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez le journal. Et ce n'est pas tout, Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ainsi, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, plus près de vous, à travers la technologie. Chaque dimanche, sorti 11h pour arriver midi, Radio Pacifique a invité au côté Intelligence économique des jeunes. Yon émission kapido comprenne pi bien choix ak décision économique yo et do développer l'idée pour mettre propre business ou campé ak anpil lot l'idée sou sa ki concerne économie. Intelligence économique des jeunes, c'est chaque dimanche 11h midi sur Radio Pacifique 101.5 ak économiste Wilshi François. Reprise chaque vendredi 2h-3h après-midi. Émission Intelligence économique des jeunes. N'a pas les économies, n'a pas compris en économie. N'a pas compris en économie. Versus un diplômé, obligé de chômer, devenu votre pivot pour aller travailler. Malheureusement, on m'a rapatrié. Protéger l'environnement, c'est remettre tête nous, nous toutes concernés. Nous devons tous répondre.
à ce cri d'alarme qui fait appel à notre amour propre, à notre responsabilité de protéger notre espace. Cam Stéphanopoulos, l'ami de toutes les générations, nous invite à écouter Environnement, Pacifique. Comment percevoir l'urgence de protéger l'environnement? Chaque dimanche, 3h, 4h de l'après-midi. Une occasion d'échange pour sauver Haïti sur le 101.7 FM Radio Pacifique. Suivez tous les samedis de 1h à 2h PM, Mise à jour. Mise à jour, une émission de technologie et de multimédia. Actualité, astuces pour les périphéries portables, laptops, imprimantes, logiciels et autres. Mise à jour, une émission de débat sur les technologies de pointe avec l'ingénieur Michael Boussicou. Mise à jour, tous les samedis, de 1h à 2h PM sur Pacifique FM. Radio Pacifique, qui n'a nous branchez-le, écoutez-le, et puis tendez-le. Pacifique FM. Plateau Presse, Jérémy, Okaï, Cap-Haïtien. Pacifique FM. Plateau Central, Latimouni, Podipé, Fort Liberté. Pacifique FM. NIP, Jacmel, et puis dans la diaspora, à même basio. Radio Pacifique FM. Notre passion. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule, la vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. h 15 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de cette édition et n'a pas continué. Avec réaction, yo, nous allons parler et Kounyala avec Mickenson Servius qui lui-même c'est porte-parole une structure qui relaie solidarité non-stop avec lui. Nous allons essayer de garder les questions. Conseil électoral, ça, Jean-Pilote, secteur app, réagi. Mickenson Servius, bonjour, merci un peu pour disponibilité ou bienvenue sur Pacifique. Bonsoir, monsieur Jean Fouchard-Bagé. Bonsoir à tous les auditeurs, auditrices de la radio Pacifique FM. C'est un plaisir pour moi-même, Mickenson Servius, comme porte-parole principale du mouvement Solidarité Non-Stop SNS, participer à l'émission Pacifique Matin. Et par rapport à avec et arrêter ça, qui prend? Et vendredi soir, président Jovenel Moïse qui mettait campé nouveau conseil électoral provisoire. Comment est-ce que notre structure ça, nous comprenons la décision ça? La première chose, nous-mêmes, dans le mouvement Solidarité Non-Stop, qui réunit l'ensemble des techniciens qui étaient engagés avec le parti qui est en pouvoir dans l'élection passée, après 3 années de silence et d'observation, après 20 mois de campagne avec le président Jovenel Moïse, nous décidons de mener une campagne pour réalisation élection dans le pays avec mise en place un conseil électoral. Même si officiellement le mouvement SNS n'est pas encore consulté, après près de 35 émissions qui nous participent, pas télévisées que radiodiffusées, et à travers sensibilisation qui nous fait dans le réseau et sur les réseaux sociaux, nous décider d'embarquer dans la bataille pour la démocratie, dans la bataille pour le changement. Oui, arrêtez qui sortit là, nous concerner parce que nous sommes haïtiens. C'est ça que fait Nabdi. Comme Constitution 1, dans l'article 284, il dit toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution en voie de référendum est formellement interdite, mais il n'a pas dit changement de Constitution. Il parlait de modification. Puisque il va parler de nouvelle constitution, il va parler de changement de constitution, l'exécutif a le droit, a le pouvoir, a l'autorité de convoquer un référendum populaire tendant à doter le pays d'une nouvelle constitution. Elle dit que nous croyons que elle dit comme constitution dit ces modifications depuis c'est changer constitution président mettez allez. Puisque nous n'avons pas de parlement, nous avons 10 sénateurs qui ont un mandat qui a fini le deuxième lundi mois janvier 2022, puisque nous avons 2 ans qui séparés. Donc, 20 sénateurs, mandat qui a fini, que l'exécutif a été dit, on doit aller constitutionnellement avec 10 qui ont 2 ans qui séparés. Nous-mêmes, dans le mouvement Solidarité Non-Stop, nous disons que, puisque la Constitution a dit encore, dans l'article 284.4, que aucun amendement
de la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'État. Comme l'État lui de former des quatre bagailles, premier à ses territoires, deuxième dans ses populations, troisième dans ses gouvernements, quatrième dans ses reconnaissances internationales, nous-mêmes, dans Solidarité Non-Stop, SNS, nous décidons pour engager avec la communication, à travers la communication puissante, pour nous décider pour nous faire promouvoir ça qui visait bien-être population, hein, ça qui visait amélioration conditions ville, ça qui visait changement, ça qui visait bagaille, ça permet que tout le monde dans le monde en vie visiter bout de ça. Mais maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui a regardé, qui a suivi, qui dit là, par rapport avec la situation, il n'y eh a pas capable d'aller en août pour organiser l'élection. J'en paye à yé là, je ne j'en dis. Et nous croyons que moun sa yo, yo ta, et pour autre coché pour yo. Yo gen raison yo, yo capable de parler comme ça, parce que c'est démocratie. Parce que démocratie veut dire opinion différente et puis idéologie différente. Et démocratie veut dire tout, pluralisme politique. Et c'est ça tout. Préambule constitution qui arrive cette année. Donc, puisque lui parle de démocratie, et c'est démocratie qui est dans le pays, nous, donc, nous-mêmes, dans le mouvement Solidarité Non-Stop, nous disons que, puisque M. Jovenel Moïse, mandat, t'a de bout constitutionnellement, 7 février 2022, là, nous pensons, si il y a un consensus minimal pendant le conseil électoral, là, arrêté à fin sauté, il y a fin installé, consensus minimal qui a fait nous arriver à doter pays à une nouvelle constitution parce que il y a plusieurs erreurs dans la constitution ça a parlé à la première erreur non si c'est là il parlait des amendements de la construction au lieu des amendements de la constitution la constitution encore il parlait des déportations des haïtiens il t'a de parler de, d'extradition il parle de parler des déportations donc c'est deux erreurs fondamentaux que nous et énumérer la constitution qui arrive cette fois, c'est que c'est une constitution très démocratique, très bonne pour le pays, mais qui nécessite une réforme profonde, des réformes profondes pour éviter en pile discussion qu'a fait qui parle du peuple, pour éviter en pile parler à pile qu'a fait qui parle du à travers le mandat présidentiel là, à travers le mandat président. Mais maintenant, et je dis à là, pour aller faire des élections, et c'est un consensus qu'il faudrait et trouver. Est-ce que nous-mêmes qui dit que nous travaillons, nous avons souhaité gagner l'élection qui lui est faite avec le président Jovenel Moïse, est-ce que ce consensus nous a une souris pour nous rejoindre, ni bien avant que nous arrivions là? Et d'abord, le président de la République, l'Igérien, pour veiller à respect constitution, à stabilité institutionnelle, il doit aspirer à fonctionnement régulier des pouvoirs publics et il doit continuer à garder question continuité, à assurer question continuité d'État. Il doit tout veiller à l'exécution des décisions judiciaires conformément à la loi. Comme M. Jovenel Moïse, lui, formellement, sorti à mouvement les membres du Conseil électoral, même si c'est sans consultation officielle du mouvement SNS qui, dans le moment actuel, c'est unique esprit ici, unique mouvement, unique institution dans le pays qui gagne une campagne formelle qui est engagée depuis plusieurs mois pour la réalisation des procédures électorales et la mise en place des conseils électoraux dans le pays. Et deuxièmement, n'a dit que M. Jovenel Moïse, constitution a dit que mandat à bout de 7 février 2022, ça veut dire qu'il doit assurer que l'élection faite dernier dimanche mois octobre, 7e année président là. Donc, en ce sens, puisque M. Jovenel Moïse n'a pas assurer que l'élection faite pour le remplacer par le président élu, nous dit tout que il doit assurer que l'élection générale faite dans le pays a pour arriver à l'élection zéro, ça veut dire qu'il va permettre que tout sénat est président. Tout député qui prend le vigno, tout magistrat qui prend le vigno, il est correct, il est stable, sans instabilité politique, parce que Haïti est capable d'arriver au progrès,
Haïti capable d'aller vers changement, même gens. Non. Objectif principal, nous demandons pour l'État haïtien engager des réformes profondes, dans la question agriculture, pour supporter tout le monde qui veut lancer dans la question d'Henri Lacaille, qui va prendre un peu de temps pour le donner, et qui tout va permettre nous gagner un peu de jeunes qui suspendent le pays pour instabilité politique pour misère. En tout cas, et Côte Pelouse, bon, nous pas vraiment gagné un peu de temps. Et Mathieu, on espère une prochaine fois gagner plus de temps pour nous parler. Et merci à Bill Mickenson et Servius Kembela. Bonne journée. C'est un plaisir pour le mouvement Solidarité Non-Stop de passer dans l'émission Pacifique Matin. Mais Moïse, on continue avec les informations de notre matin. Oui. Et puis, et bien avant nous aller, nous même pas le conseil électoral, ça. Il y a un racine grand peuple là. Et Jacques Amboise, le parti politique, racine grand peuple là, qui décide de mettre ni madame, non, ni monsieur de la partie. Hein. Racine grand peuple là, c'est Dame Chalmers. Oui, monsieur Chalmers. Il mette ni madame, ni monsieur de la Elle dit, parti politique, ça, on ne va pas en donner encore. Martin fait plus de temps pour nous arriver, jeune et Camille Chalmers. Et malheureusement, nous pouvons arriver, jeune et lui. On espère que demain matin, on a une possibilité pour nous faire parler avec lui. Qui ça fait dans le débat? Est-ce que c'est monsieur dame de directoire ou une écrite et chita et puis dit, on ne va pas faire des ordres et il faut qu'il campe là toujours? Ou encore, il y a un comité de discipline. Mais il y a un comité de discipline, il a fait tout rapide, je l'ai le monde. Est-ce que il y a et tout ça qui okay, fait? Chaque parti a qui ça le dit, en tout cas, 4 pelouses n'a pas suivi. Et nous espérons que nous avons fini avec éléments de réponse à yo, oui, c'est des lois. Et revenons sur ces cérémonies qui ont été organisées dans les 18 juridictions du pays pour rendre un intime hommage au bâtonnier de l'Ordre des avocats assassiné le 28 août dernier. À Port-au-Prince, une messe de requiem a été chantée à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Cette cérémonie a réuni des personnalités issues de différents secteurs avec une forte présence des membres de la Basoche et des représentants de l'université. Animés par un sentiment de profond regret, ils ont réclamé de façon unanime justice en faveur du défunt. S'il n'y a pas de justice pour le bâtonnier Montferrier d'Orval, il n'y en aura pour personne. A martelé le Monseigneur Pierre-André Dumas qui présentait l'homélie de circonstance. On écoute. L'Église demande aussi à tous ses enfants, croyants et non-croyants, de se mettre du côté du droit et de la justice, de se mobiliser pour exiger de la mémoire de Maître d'Ordre ne soit en rien profané et que l'on puisse appliquer correctement toutes les procédures normales d'une justice équitable pour tous. Car s'il n'y a pas de justice pour le bâtonnier de l'ordre des avocats, il n'y en aura pour personne. S'il n'y a pas de justice pour mettre le Montpellier normal, il n'y aura pas de justice pour les avocats et il n'y aura pas de justice pour le personnel. Nous ne pouvons pas accepter que l'on revienne à l'ancienne femme de la fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de vous vous rendront blanc ou noir. Justice pour les normales. Personne n'est au-dessus de la loi. Que vous vous appeliez Titus, Caius, Lentulus, Pompeia. Que vous appeliez de n'importe quel nom, la justice doit être rendue. De son côté, le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, Jacques Létang, qui estime que l'homme de loi a été assassiné en raison de ses convictions, voit dans cet acte odieux un coup dur pour le pays en général. Maître Jacques Létang appelle les avocats à lutter pour le triomphe du droit. Les propos de Jacques Létang, micro de Rouven Sefar. Le coup d'Orval a été exécuté parce qu'il était avocat. Parce qu'il exerçait sa fonction de bâtonnier, la plus grande juridiction du pays avec détermination et responsabilité. Il nous faut porter ce combat pour la justice en hommage à cet homme qui nous a laissé son sang de voir en héritage. Chaque avocat va se sentir investi dans ce combat pour le droit et la dignité. Maître Dorval, vous avez marqué l'histoire de notre pays avec tristesse et amertume. Que nous constatons que vous en faites désormais pas. Avocats et avocates,
restons tous et toutes mobilisés pour continuer la lutte pour l'instauration des véritables états de droit dans ce pays. Nous devons tous et toutes unir nos forces pour exiger justice pour le bâtonnier normal et pour toutes les victimes des différents massacres commis dans les quartiers populaires. Alors que pour l'ancien bâtonnier Stanley Gaston, l'assassinat de Maître Dorval est un crime contre l'état de droit, la justice et la dignité humaine. Maître Gaston s'est fait le porte-parole de la Conférence internationale des barreaux pour réclamer justice pour le professeur de droit constitutionnel. On l'écoute. Maître Moufferier Dorval était un combattant. Il a accepté de relever le défi. Son âme, c'était la parole. C'était une parole toujours raisonnée, nourrie d'une grande culture juridique. C'était une parole respectueuse de la liberté de l'autre, qui cherche à convaincre pour faire partager une vision raisonnée, celle d'une justice et d'une démocratie exempte de corruption. Aujourd'hui, notre père est triste. Il souffre de ce crime barbare. Il souffre de ce crime contre l'état de droit, contre la justice et contre la dignité humaine. Il souffre de ce crime qui nous prive de la vie. Et notre cœur a tous crié haut et fort, justice, justice pour Montferrier Dorval. Voilà pour les déclarations de Maître Stanley Gaston, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats. Au contraire, c'est lui qui avait précédé Maître Montferrier Dorval au barreau de Port-au-Prince. Le coordonnateur du collectif des avocats pour la défense des droits humains, Maître Arnel Rémy, presse les autorités de la justice à trouver une entente avec les greffiers afin de faciliter la tenue des assises criminelles au niveau des différentes juridictions du pays. Intervenant lors d'une conférence de presse vendredi à Port-au-Prince, le dirigeant du CADO a fait savoir que la grève des greffiers pour réclamer de meilleures conditions de travail entraîne des conséquences néfastes pour les détenus. On l'écoute. Maintenant, imaginons qu'on est qui a 11 ans, 12 ans, 13 ans. Chaque temps, pas j'ai un problème. Insécurité, coronavirus, grève. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas porte-parole, je ne suis pas en prison, pas de monde pour défendre moi, pour ne pas penser à vous. Qui a ici là qui a fait 11 ans, 15 ans à vivre dans la saleté, dans la malpropreté? Personne. On veut s'adresser directement aux autorités concernées, au ministre, au premier ministre. Pour 10 ministres, écoutez, il y a des gens toujours qui vivent dans la prison. Il y a des gens toujours besoin de juger. Il y a des gens toujours besoin de famille. Parce que l'assise n'est pas organisée, monsieur le Premier ministre. On s'en a dit, sans pile de monde qui a eu espoir pour sortir, pas qu'il espoir encore, non? Le petit monde a fait 13 ans, 14 ans, 15 ans, pas jamais apparaître. Il n'y a pas un carré papa, il n'y a pas un carré maman, etc. Son paquet de bagages, il veut dire, nous-mêmes comme avocats, nous-mêmes comme organisme de défense des droits humains, cap lutter pour le respect et la préservation des libertés fondamentales. On encouragerait et on réclame du même coup une solution rapide pour la tenue des assises criminelles. Le droit d'être jugé est un droit reconnu par la Constitution. Sans mettre d'or à la défendre. Le droit d'être bien traité à la prison, c'est un droit constitutionnel. Moun pa kap dip tan kou bête. Est-ce qu'on connaît dans prison femme nan kounya la? Il y a 300 moun, plus de 300 moun. C'est 25 qui jugent seulement. 25. Est-ce qu'on connaît en dans pénitencier national moun ap viv tan kou bête, j'aimerais me dire. Moun yo pile sou pile bon kounya mais grève greffier. Surpopulation carcérale la vie augmenter. Ça veut dire pas gain côté pour mettre moun encore. Le barreau de Port-au-Prince doit laisser à la justice le soin d'approfondir l'enquête autour de l'assassinat du bâtonnier Montferrier Dorval. Déclaration de Maître Samuel Madistin, qui était invité à Pacifique Matin. Il revient au chef du parquet de déterminer l'opportunité de la poursuite judiciaire, a expliqué l'homme de loi, précisant que les déclarations intempestives contribuent à faire brouiller les pistes de l'enquête. On l'écoute. L'enquête toute information pour rien. Ou ka pataje yo a juge d'instruction ka banke priya ou ka mande sou de akte pou pose nou pou bon ka ou participation dans l'enquête et sou gen bagay pou konnen ka fait ki pa ça ou ka dénoncer yo. Donc, fait yo généralement
on est pour faire ça pour vous. Et parce que on dit qu'on a constitué cette liberté civile, les remèdes de ça, qui sont ça en avocat. Comme conseil de l'ordre là, son corporation d'avocat, et nous avons des corporations d'avocats de plus de 200 barreaux à travers le monde qui manifestent ses volontés pour nous dégager, supporter, appuyer toute initiative qu'a prendre en Haïti pour que maintenant valent comme ici. Nous passons tout ça à profit pour que l'institution bien faite et bien faite pour nous combattre tout ça là qui est capable de rester dans le cadre. Instruction pour que cette facilité en fait ça. La mobilité toute ouverture internationale ça pour que pression pour faire sous l'État, sous pouvoir solution, pour enquête la vaccinée, nous faites ça pour que en fait ça arrive. Son corporation d'avocats qui a plus moyen que l'on individu pour faire pression, mais il faut plus de ça. Nous avons le support de plus de 200 barreaux à travers le monde. La situation, ce n'est pas mon étranger, c'est la vie de terre. Ce n'est pas mon étranger, supporter pour le marché. C'est la corporation d'avocats, c'est le conseil de l'ordre. Même si le conseil de l'ordre, l'idée en plus de ça le représenter comme corporation d'avocats, l'idée de support étranger. Ceux qui réclament à tout prix la tenue des élections dans le pays ne mesurent pas la teneur de l'insécurité en Haïti, a indiqué Maître Samuel Madistin. Selon l'ancien candidat à la présidence, le climat de terreur qui règne un peu partout à travers le pays n'est pas propice à la réalisation des scrutins. Ses déclarations. Ça a fait monter l'État. Monter l'État, non? Donc, c'est parce qu'elle est le rôle de l'État. Quel est le rôle de l'État? C'est-à-dire que nous sommes pays folklorique. Tout le monde vit au besoin chef. Tout le monde devait président d'Haïti. Tout le monde devait ministre. Tout le monde devait secrétaire. Et là, il y a une fonction, il va rendre comment vous l'exercez. Vous voyez, c'est le dilemme. C'est-à-dire que la première responsabilité de l'État, c'est garantir la sécurité de ses citoyens. Et pour faire ça, il faut gagner des actions préventives pour empêcher que le monde couvre, n'est pas utiliser des armes, forces européennes. N'est-ce pas, pour créer insécurité, l'État pour faire prévention, pour gagner un renseignement, système de renseignement, pour en fait c'est la réalité. Et si pas mal, il y a des bagages qui arrivent, qui échappent au contrôle sécuritaire du pays, les OPEC sont réprimés pour sanctionner le monde super. On va pas faire un million de l'autre, on va l'État, on va vous autorité, on va gouverner, on va être. Ou pas dans la place, ou pas dans la bouffe. Là, c'est moi-même, c'est toujours du lit. Problème, nous, là, on va résoudre. Si nous avons un système plus responsable, on fait ça. Tu prends le reste de l'État, tu prends tête l'État, tu vous dis, mais qui j'ai pour l'État masqué. Pour toujours faire le masqué correct. Moi, qui là, je vais jouer. Je vais montrer, depuis des années, que là, je n'ai pas contacté les gérés d'État. On est quoi, c'est aujourd'hui, là. Pour faire l'élection en Haïti, on va plaisanter. Et tout plaisanterie de mauvais goût. Si un candidat ou a fait campagne là, comment un candidat qui a fait rentrer Delma 2 pour la présenter le programme de la population d'Elma 2? Si j'ai un candidat qui a fait rentrer Village de Dieu pour la faire campagne, pour la dire que voter pour moi, pour qui raison? Comment un candidat fait rentrer, n'est-ce pas cité soleil? Non, dans la zone pour aller bouffer avec 400 maozo, pour moi, je suis tiré sous machine qui a passé, mais c'est public, oui. Pour tout le monde qui bébé a mouru dans mes mamans, et pour pas qu'on la police, pour pas qu'on sport qui est capable de placer pour dire ça n'est pas possible, pour m'arrêter le criminel là, pour ça va répéter. À 8h40 minutes, le temps de notre deuxième pause à ce jour. Mais yo,
BNC et Cam Transfert décide de marier compétences avec expérience pour résoudre problème transfert. À partir jeudi à même, ou Cam en défend ou Axamou ou qui l'autre bodlo, pour yon fait tout transfert pour dans Cam Transfert. Ou ap capable de venir prendre dans BNC sans problème. Ou bien, tout fait yon déposer sous compte là BNC ou. C'est le côté où yon garanti ou ap jouer un plus bon service. Et pas bonne nouvelle ou tap mandé, mais bonne nouvelle. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Mais yo. Est-ce qu'on connaît gen quatre côtés ou pour aller, pour pi libre, ou pour obliger sorti ak machine ou si tout si ou abray bwè, m'a parlé ou de Woulib. Woulib, c'est une application que ou téléchargez sous téléphone ou li même gens ak Uber. Premièrement, confirmez sur application en côté ou yé. Deuxièmement, mettez adresse ou bien côté ou abray aller ya. Hôtel là, restaurant, bureau et latrier. Troisième témoin, ou ap confirmer qui modèle machine ou voulez monter ya. Mais causé ya, déjà gon modèle machine ak tout chauffeur qui t'a passé dans zone ou an. En plus, ou ap wè photo chauffeur ak machine qui vin chercher ou la. Il sak pire de là, ou ap déjà konnen combien coûte la ap coûte ou depuis en vent même yo vin chercher ou. Ou ap ka payer cash ou bien ak carte. Téléchargez kounye ya même application Woulib la, Woulib. Woulib, sous Play Store ou bien sous Apple. Ça ouais, misère ou fini. Quel là ou qu'on besoin sorti, messieurs, oh, son tête chargée. En plus, une question de, pas de monnaie, madame. Ça fini. Woulib pour Capilib. 49 35 76 76. Haïti rivé au cap avec 87 chaînes. Mon cap pral déchaîné. Passez prendre l'Haïti pour là, la locale Access Haïti ou bien Inet qui pi prend là. Ou carrélé nous tout. La 2943 3000. M'ta dit audi depuis l'appli tombé tout l'autre disparaît. Nous même télé Haïti vient à toute parapli. A vin dit ça. Chaque dimanche, sorti 11h pour arriver midi, Radio Pacifique a invité au côté Intelligence économique des jeunes. Yon émission capido comprendre pi bien choix ak décision économique yo et do développer l'idée pour mettre propre business ou campé ak en pile l'autre l'idée sous ça qui concernait économie. Intelligence économique des jeunes, c'est chaque dimanche 11h midi sur Radio Pacifique 101.5 ak économiste Wilshi François. Reprise chaque vendredi 2h-3h après-midi. Émission Intelligence économique des jeunes. N'a pas les économies, n'a pas compris en économie. N'a pas compris en économie. Je suis diplômé, obligé de chômer, devenu bon pivot pour aller travailler. Malheureusement, on m'a rapatrié. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseils déco ou commandes personnalisées, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Bohème, sur Facebook et Instagram, à Bohème Boutique HT. Cadeaux, accessoires, mobilier, Bohème. Un peu de tout, de partout. Impression. Radio Pacifique a invité au côté chaque jour, sorti 11h rivé midi 30. Impression. C'est une émission 90 minutes. Côté ou même auditeur, n'importe côtoyer sous la terre, ou capable briller pour bailler impression sur yon sujet, yon thème, qui a fait voix nation arriver bon côté autorité. Yon dossier qui a dominé actualité. Radio Pacifique, non pas de tribunal. C'est impression ou même auditeur qui comptait. Rélé pour bail impression, 46 13 10 10, 44 08 10 10. Semi-co libre, sans discrimination, sans contrainte alimentaire. Radio Pacifique, voix qui bon côté là, dans une autre radio, pour un autre pays.
Électricité son bagage courant, mais boy c'est li rare. Gè de jou, même lumière ou pas ouais, c'est pas rien non. Tu bignou grand monde. Yo fait ça à hôpital. Alors nous-mêmes les usagers du blackout agien grand monde, al pont Delco Kubota nan Automeka sou route aéroport, nan n'importe zone côté gon Delco Kubota, blackout yo pa ka réuni deux hommes bon poteau électrique. Blackout avec lumière c'est deux bagages qui pa ka mêlé. Si yon a dans vle mêlé, démêlé vite al pont Delco Kubota nan Automeka. Souvle ouè kote yon blackout ap chata, lumon Kubota. Automeka, 22, route de l'aéroport, 29, 41, 25, 44, 29, 41, 25, 45. Combien fois ou di yon prochain merci parce qu'il te aide ou? Combien fois ou di parent merci pour ça ou fait pour ou? Combien fois ou di merci le yon moun ran ou yon service? Toujours songe di merci à moun qui fait bien pour ou. Ça, c'est un message Radio Télé Pacifique pote pour améliorer le rapport moun ak moun dans le pays. Ya. Radio Pacifique, qui nous branche, écoutez et puis tendez. Pacifique FM. Port-au-Prince, Jérémy, Okaï, Kapaïsé. Pacifique FM. Plateau Central, Latibouni, Port-de-Paix, Fort Liberté. NIP, Jacmel et puis dans la diaspora à même passion. Radio Pacifique FM, notre passion. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule. La vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la dernière partie de cette édition. Et avant même d'ouvrir le billet de Jacques, il faut qu'on dise qu'il y a Charles Dumont, point du jour, professeur et vice-doyen à la FDSE, qui est lui-même est mort hier soir. Et selon l'information, monsieur a été fort malaise et lors de funérailles et d'Orval, et qui a chanté dans l'église Saint-Pierre, dans Pétionville, et après malaise ça. Lui-même, il est tombé, et puis nous apprenons tout hier soir, il est tiré hier soir sous local et Fondation des Amis Timoun, qui a un représentant qui est allé dans le KIPA comme représentant du secteur de l'Amoun, Jacques Boss. Et Fanda dit tout que Yves Bastien. Oui, Yves Romain et Bastien, ancien ministre de l'économie et de la finance. Finance, qui passait nous la vie au tripas pendant le week-end. Toutes condoléances à la famille et Yves, madame, petite famille. Et je voulais saluer particulièrement Zamine et Karine Chout. Olivier, on va ouvrir le billet de Jacques. Pour couronner le journal Pacifique Matin, l'éditorialiste Jacques Ambroise donne le ton en vous présentant son billet à compter de 8h50. 10 minutes de réflexion, d'analyse face aux différents problèmes d'ordre socio-politique. Le billet de Jacques Ambroise, un rendez-vous à ne pas manquer. Le billet de Jacques Ambroise. La Bible qui dit, si on ne peut pas parler, on choisit de parler. Et maintenant, on ne peut pas parler. Et ce qui se veille. Mais Jacques, bon billet à toi. Merci, merci, Benji. Et non content, non. Quand tu es là, aujourd'hui, c'est lundi. Lundi, c'est le 21 septembre 2020. Nous comptons pour nous capables. Ce qu'on est ailleurs, qui était 20 septembre, non? C'était. Et, si les est là, c'est un pays fait-lui. Bon, il n'est pas d'accord, fait tout le temps, ça a tout, bien entendu. Et mais c'est date Dessalines, Jacques Dessalines, qui c'est papa et indépendance pays d'Haïti lui-même, il était fait. Et hier, 20 septembre.
Je dis à la regarder ça qui a passé en d'un pays à là. Nous n'avons situation pour ne faire pas. Nous n'ayons laissé frapper qui pas mener nous et aucun côté. Et c'est peut-être moment tout pour nous être capable chita pour nous réfléchir pour nous dire qui qualité pays que nous voulons construire et comment nous construit pays ça. Parce que nous avons une logique antagonique et nous la donné depuis que nous avons une bérégène dans le pays. Et la logique antagonique ça a, l'évine de plus en plus et marquée. Ça veut dire chaque jour et la paraît piquée. Entre temps, nous avons un pays qui a mouru. Nous avons un pays qui a mouru parce que il y a l'indifférence caractérisée et de tout acteur, dans quel qu'en soit camp, dans quel qu'en soit secteur. Et nous connaissons très bien les hommes indifférents, ça veut dire ça qui a passé, ça qui a fait là, c'est pas mes l'île. C'est pas mes l'île qu'il fait, qu'il pas fait, et parce que qu'on a vivre, qu'on pas vivre, et ça n'a pas aucune importance. C'est ça que l'indifférence est marquée. L'engagement des tableaux qui gagne aujourd'hui, non seulement tout mettre crise sur crise, une crise qui pourquoi fini, qui l'est là fini, non pas qu'on est. Mais ça qui fait peur, c'est parce que nous comprenons que la réalité à lui-même l'a suspend bouger. Nous comprenons que l'autre pays a pris le temps de nous. Nous comprenons que la vie lui-même l'a pris le temps de nous. Parce que nous ta comprenons et l'en pas fait rien comme si et la nature lui-même n'est pas évolué, n'est pas dynamique. Yes, les dynamiques. Et je dis à pouvoir. Bon, depuis quelques années, depuis pratiquement président Jovenel Monté, Trump Monté, et président Trump et son soutien, et surtout après, et nous connaissons, et Push et président Jovenel Tebay, et président Trump dans la question Venezuela, et son soutien sans faille et infaillible que. Président Trump et gouvernement américain, l'administration américaine, Bay et l'administration et de M. Moïse. Mais maintenant, premier bagage pour nous, c'est vrai que il faut que nous rentrions. D'ailleurs, depuis surtout cette ouverture, et l'idée à poser problème, non, c'est être dans le Conseil des Nations. Parce que tout ça avait compris que ou pas qu'à développer un pays si ou pas faire commerce à l'époque. Avec l'autre impuissance. Ou pas qu'à faire pays pour gagner développement si ou pas gagner l'aspect scientifique, l'aspect formation et l'autre pays qui était plus avancé et que nous. Ça veut dire que nous avons un pays qui était dans l'esclavage et nous pas gagner réflexe et développement. Ça veut dire que nous avons besoin de partager l'expérience avec l'autre et pays. Mais je dis, je ne vois ça fait là. C'est que depuis 1915, nous disons, et blancs, et plus particulièrement et les Américains, ils ont gagné une grosse influence sur ce qu'ils ont fait dans le pays. Et tout le monde. Si on pas d'accord avec décision politique, j'ai le fait qu'il ait le fait dans pays. D'ailleurs, on pas loin après l'occupation américaine, il a été confisqué, saisi et la cour des comptes qui était gagné, yo campel, c'est yo qui était dans finance pays pendant près de 15 ans. Yo pas gain personne n'a été ben explication, yo fait ça ou voulez, j'en voulez. Donc c'est yo qui ou t'as qu'à dire vrai mettre question dans le pays. Et si on pas d'accord
avec yon moun. Parce que il y a des tentatives pendant la période ça pour ta gagner l'autre leader qui vini pour ta dire Anchita d'abord sous Salakai ça des idées qui strictement haïtiennes pour nous trouver un consensus un compromis nécessaire pour qui permettent nous avancer. Ah ben nous pas yon pas beaucoup pour et non seulement que yon pas beaucoup pour mais y a metto dans situation côté pour très mal à l'aise. Je dis à et ambassade américaine voyait tweet les tweeté pour dire que c'est élection ou rien. Ils sont pas participer dans élection que sanction qu'a prend. Non pas là avec le monde là dans micro ça par rapport à tweet ça. Chaque monde dépendamment de côté lié li gagner position men ta ka di c'est yon gros et soufflette marasa que nous prend et les gagnan nous cap passer sous côté et yon diplomate pa voyer parole en l'air comme ça on diplomate par rapport à importance que rien surtout on diplomate on pays tant kou les États-Unis d'Amérique gen de causer l'el dil gen de pinga l'el dil le deal pour tout mettre point ramasser point et c'est ça que fait de dire je dis à réalité a montré que gagner des bagages que nous pas qu'à faire on pas qu'à faire aux jeunes de qu'on fait aux 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans de ça faut changer fusil d'épaule faut changer stratégie maintenant est-ce qu'on a fait pour Haïti est-ce que haïtien c'est pour Haïti et n'a fait tout ça nous connaît pour améliorer la vie haïtien qui vive en Haïti et moi pas croire ça fait aucun monde plaisir l'entendre jeune et haïtien pendant surtout depuis la des 60 jusqu'à journée aujourd'hui a payer pour un petit grand note pour aller et soit Miami soit dans les îles qui tout près nous tout haïtien qui haïtien t'a doué chita pour dire que faut que nous joignions compromis, faut que nous joignions entente pour qu'il permette que situation ça ali même de suspendre en dans pays ya. Et je nous et nous dit nous dans logique laisser frapper ya. Parce que réalité a dit bagaille quasiment impossible pour gens que par exemple élection CNP a fait pour d'avoir algain élection. Moi me te croire que avant que nous déboucher dans la question de l'élection, il faut qu'il y ait un consensus. Il faut qu'il y ait un compromis. Il faut que nous joignions une entente minimale qui est capable de sauver le pays. Bien dire, une entente minimale. Parce que pour être capable de vivre des contentieux entre tout le monde qui est dans le pays, entre les différents secteurs, par rapport à genre, chaque monde qui a pris position, ça ne va pas faire du jour au lendemain. Mais li fondamental, li nécessaire. Même si nous t'avons, pour nous finir, pour nous dire que nous t'avons supposé faire Jean Nelson Mandela te procéder en Afrique du Sud. Et liberté, pas veut dire licence. Pardon, pas veut dire ou qu'a fait sauver ou pardonner. Quelque part, si pour nous capables d'entendre ça, pour nous jouer un consensus, ça, pendant que nous avons vu des consensus et contentieux, faut gagner des actes communs de commettre par contre pays ou payer pour eux ou capable prendre même qualité sanction qu'on a supposé pour et laisse à ces sociétés qui ont un compromis pour qu'ils disent que mais comment n'a pas résoudre problème non pour nous capable avancer pour nous sortir dans logique laisser frapper ça parce que si t'as dans logique laisser frapper ça ils ont grand côté la menen c'est au subside collectif. Et là, nous sommes sur route, suicide collectif. Tout bon vrai, parce que sous Chita ou garder pays, nous n'avons pas rien qui a marché. Haïti, son état failli. Nous sommes contents de nous avoir. Nous avons rendez-vous pour demain, pour l'autre édition pacifique et matin. Et puis, vive Haïti même, et monsieur est déjà là, et il est venu tout à l'heure. Je suis nègre, la ville, et toi, tu es nègre, dans mon matin, midi, soir, j'écoute une seule fréquence. 101.5 Pacifique FM.
Rete branché. N'a tourné talle. Mwen pral la toilette, mwen mes papier pour me serrer mo. Ma de glory. Ma de glory. Hey, mwen fin manger, mwen mes papier pour me serrer bouche mwen. Ma de glory. Napkin glory. Mais sous mes bon papier, paquet là, yo mon papier hygiénique. Papier glory. Papier de qualité. Paquet là, yo mon papier pour santé. Papier glory. Hey, ou remé hygiène, ou remé santé, on va capable servir. Toute la machine la veille y a pas cher à glory. Mais oui, nous même qui femme qui sensible pour famille, nous pas capable de servir à glory. Papier toilette là, napkin pour table là, c'est santé caille là. Glory c'est un vrai monde à faire hygiène. Il fait mix tout, il va y en avoir. Fille, toi, joy, glace, luxe, tout uni, gol. Servir à papier glory, produit local qui a bail travail. Et puis qui gros, qui petit, qui pour toute poche. Et toute commande, relé dans 28 11 0 4 44. 28 11 0 4 45. Et dans toute boutique. Qui sort sur Dim la Magui? Comme quoi, en plus d'accéder à mes comptes, je peux aussi payer mes fournisseurs et n'importe qui a un compte à la Unibank. Mais oui, Sandra, c'est le service Pay Anyone de Unibank Online. Avec ton PIN de sûreté et en un simple clic, tu fais un virement sur le compte de ton choix avec Unibank Online et c'est un jeu d'enfant. Et ce n'est pas tout, ma chère. Ah oui? Bien toujours? Mais oui, ma chère. Avec le service Pay Anyone, tu as plusieurs options. Tu peux faire un virement ponctuel ou le programmer à une date ultérieure. Tu peux également effectuer des paiements automatiques en fonction de tes besoins. Liguez-toi chaque mois ou bien j'envelais l'an pour t'envelais l'an. Ah! Avec le service Pay Anyone de Unibank Online, je gagne du temps et plus question d'être en retard sur mes paiements. Unibank Online, c'est simple, rapide et pratique. Pour bénéficier du service Pay Anyone de Unibank Online, inscrivez-vous dès aujourd'hui sur le www.unibankit.com. Pendant 7 jours grâce à Semaine qui est content. Semaine qui est content disponible dans tous les outils administratifs et Canal Plus. Pour toutes informations sur l'adresse numéro de Port-au-Prince dans la province, il est dans 2946 41 41 ou soit aller sur www.canalplus-haïti.com. Savon crème lotion Clarisse, c'est magique. Yo fait toute ta soupe pour moi disparaître. Pour bien nettoyer peau. Clarisse, le choix est clair. Les produits Clarisse sont enfin disponibles en Haïti. Ton référence BRH pour lundi 21 septembre 2020, c'est 80 gouttes 21 pour $1 américain. N'a pas rappelé tout le monde. Ton référence BRH calculé et puis publié pour journée 1, c'est résultat transaction achetée dollar qui fait dans la veille sous marché change là. Pas oublié. Taux référence là disponible tout le temps sur site BRH là www.brh.ht sur compte Twitter BRH Haïti ou soit